sera légèrement sur les chemins de l'au-delà. Je vous expliquerai comment ça va se dérouler. Il y a beaucoup de choses après qui viendront se fixer au courant des prochains mois. Et il y a logiquement pas mal de photos sur les photos de l'invisible. Donc on va essayer de faire un maximum. Je voudrais passer un message pour ceux qui sont intéressés de venir nous voir le 19 octobre. On fera également le même type d'opération, c'est-à-dire donc de lire les photos en direct dans la salle. Et on essaiera en même temps de le faire sur Facebook en les prenant. Mais on doit regarder à ça comment on pourrait agir sur le... pour que tout le monde suive la conférence. On va regarder à tout ça. On est en plein travaux, on fait un tas de trucs. Il y a des trucs que vous allez voir, c'est pas mal, c'est intéressant. Il y aura des invités aussi qui viendront. Et voilà. Alors, si vous pouvez passer le message, il y a une page Facebook qui est sortie qui est promotion de la publicité niveau voyance. Donc c'est une page Facebook qui reprend toutes les personnes qui désirent mettre leur publicité sur n'importe quoi au niveau de la voyance, médium, patati patata. Nous, quand on est en conférence, en salle, ou lors de nos salons de voyance, eh bien, on parlera chaque fois de 5 personnes. Ça, et on fera leur publicité gratuitement, un peu comme on faisait au début sur Radio Help, où on parlait des sites, des blogs, voilà quoi. Donc ça aidera, je pense, pas mal de personnes à sortir un peu du lot, façon de parler, dans le domaine de la voyance, médiumité. Donc tout ça, c'est gratuit, évidemment. Hein. Je crois que c'est pas la peine de le dire. Et Activa, ça marche encore? Parce que j'ai l'impression... Oui, on en a... Non, non, on en a parlé tout à l'heure, justement. C'est moi qui n'ai pas su y aller dessus pour le moment, parce que faute de temps et que j'ai dû préparer pas mal de trucs pour la SBL. Mais après, tout doucement, on revient dessus et... J'y vais, oui, je sais, ouais. Il n'y a plus personne qui parle, très peu, quoi. Enfin, ou alors, je sais pas. Non, mais à mon avis, ils sont tous sur Facebook, hein. Ouais, mais Alex, je t'avais dit de pas faire un site pour sourds et muets, ça ne fonctionne pas. Bon. C'est pour rire, évidemment. Hein, Oui, oui. Il n'y a pas de hasard. Donc voilà, j'espère que vous avez tous passé une super semaine. Donc, comment les choses se passent actuellement, vu que, en général, j'explique un peu au départ l'évolution un peu des choses. Ben, pour la SBL Alpha Medium, les choses se portent bien, beaucoup mieux que ce que je pensais. On a dû, comme vous avez remarqué, assurer, et ça a été une obligation via la loi belge, c'est d'assurer une jurisprudence sur la SBL pour éviter justement tout problème. Je m'explique, soyez attentifs, comme ça vous ne serez pas pris au dépourvu. Donc toute l'association qui est dans la SBL Alpha Medium est totalement gratuit. Il n'y a que Alpha Medium proprement dit qui va faire en sorte dans son prochain site de solliciter, si vous voulez, les dons sur PayPal. Ces dons, qui ne sont pas obligatoires, je le rappelle, sont uniquement pour améliorer la SBL niveau publicité et ainsi de suite. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est uniquement pour améliorer les choses, préparer aussi et la location des salles, patati patata. Ensuite, il y aura deux gros modules qui sont en train d'être préparés. D'un côté, les repas. Et de l'autre côté, quelque chose de très lourd, très gros, très intéressant pour vous autres. Vous allez voir, ce sera pas mal pour toutes les personnes qui sont intéressées, autant amateurs que professionnels. C'est un truc solide et ça m'étonne que ça n'a jamais été... mis en place, c'est ça qui je suis étonné, mais enfin bref. Alors il y aura des conférences sur plusieurs sujets,
et un peu en ufologie également. Faut comprendre, quand vous voyez sur le logo qui est marqué Centre d'information et d'orientation des phénomènes paranormaux, c'est à 80% et 20% sur l'ufologie. Vous avez pu remarquer que j'ai mis quelques photos de moi vis-à-vis de certaines pages. Alors, ça c'est pour avancer un petit peu, vu que maintenant l'ASBL est là et que les choses sont plus officielles et qu'il y a évidemment une jurisprudence qui couvre les copyrights, enfin tout ça, vous savez, je vous apprends rien. J'ai eu, comment dirais-je, en préparant le salon, j'ai vu quelqu'un avait eu l'intelligence, vous voyez qui je veux dire, de créer un salon à mon nom, à moi personnel, avec mon prénom, et qui se prépare à donc avoir falsifié mes photos et de faire le salon ce soir pour essayer de m'influencer. Donc j'ai envoyé un mot aux administrateurs de bien veiller à ce qu'il n'y ait pas d'usurpation d'identité, vu que comme vous le savez, c'est justement mon métier, c'est dommage. Donc je travaille pour la SPF Justice en Belgique et je traite justement de certains dossiers comme ça en parallèle, donc c'est vraiment pas de chance. Donc de base j'ai, et ce qui est normal, prévenu les administrateurs. J'espère qu'ils seront conciliants à ma demande que j'ai faite pour éviter évidemment tout souci. J'ai eu l'occasion évidemment de voir pas mal de choses au niveau des noms d'oiseaux qu'on a déjà donné à l'ASBL, toujours du même personnage et son acolyte bien connu. Et nous constituons, et ça, ça peut être dit évidemment, un très beau dossier qui sera mis donc aux instances des tribunaux de commerce, et ainsi de suite, et patati et patata. Bref, donc ne vous étonnez pas si vous voyez un salon qui s'ouvre avec mes photos, peut-être comme elles seront truquées, peut-être habillées en chauve-souris ou dans des positions curieuses et naturelles. Donc moi, si vous lisez, ah oui, juste oublié, j'ai créé une page qui s'appelle l'échange. Ce sont toute l'histoire de ma vie avec des différentes brèves, donc parfois quand je suis à l'armée, à gauche, à droite. Donc vous, si vous lisez cette page sur Facebook, vous verrez que ce que lui fait, ce personnage amusant et alcoolique, ça ne me dérange pas du tout. Voilà. Et c'est simplement de l'immaturité. Bref. Donc voilà, simplement pour ne pas être embêté à ce niveau-là. Alors donc, bienvenue ce soir à tous sur le salon de Paranormal Attitude, qui est couvert maintenant par l'ASBL Alpha Medium. Donc, je crois que tout le monde sait ce que c'est une ASBL. C'est une réunion de plusieurs personnes qui ont fait donc une société patati. Ouais, y a des gens qui me demandent ce que c'est. Ils croient que c'est une marque de chocolat, mais non, c'est pas ça du tout. Donc voilà. Alors moi, je vous remercie pour votre fidélité, parce que je suis toujours étonné que les gens viennent nous rejoindre. Il y a d'autres invités que j'ai prévus, pas ce soir, mais qui doivent se mettre en convergence niveau calendrier, c'est ça. Donc il y aura une voyante vraiment très très bien, qui viendra lors d'une conférence parler un petit peu de sa manière de voir la voyance et comment elle a travaillé avec tout ça. Il y aura quelqu'un qui s'y connaît très bien en énergie dans les maisons, qui viendra aussi nous parler, qui a créé des livres. Il y aura normalement dans une conférence et un repas un pilote de chasse que j'ai connu, qui s'appelle Stéphane, c'est un nom d'emprunt, qui était pilote de chasse en 83 jusqu'en 97 et qui lui a réellement frôlé un OVNI entre la frontière belge et française. Il viendra nous parler à titre de témoignage et patati et patata. Il y aura encore plein de gens comme ça que j'avais gardé dans ma valise le jour où l'ASBL Alpha Medium allait se mettre en place. Je ne savais pas encore que ça allait s'appeler Alpha Medium. On a coupé la poire en deux
par rapport à Ariel et moi, vu que Ariel est directeur gestionnaire de la mise en place des salons de voyance. Donc on a coupé la poire en deux en mettant médium. Et moi, j'ai demandé à mettre au départ alpha, vu que je suis toujours en première année, donc je commence par alpha. Voilà. Ce soir, la première conférence, premier passage, c'est les chemins de l'au-delà. Et puis, ce sera lecture photo. Et quand je parle de chemin de l'au-delà, je pars d'abord du principe que toute personne, bien sûr, a des facultés et a justement déjà, dans sa manière de vivre, la possibilité de percevoir des messages. Donc, en fait, au niveau de l'au-delà, il ne faut pas vraiment avoir un cas particulier, un départ d'approche. Tout ça affecte évidemment nos sens, mais nous les avons déjà. Parce que ce qu'il y a entre une personne vivante et une personne décédée, il y a quand même une forme de similitude. Les énergies en partie restent, donc il y a toujours une connexion. Donc nous sommes capables d'avoir déjà cette perception à déceler des messages, à déceler des petites choses qui font que ça nous met sur la voie. Maintenant, cette manière de percevoir les messages est influencée par nos convictions, notre foi, nos religions. Cette influence aussi est parfois influencée par les gens qui sont autour de nous, qui nous disent, voilà, non, c'est de la bêtise, l'au-delà, ça n'existe pas, et patati. Donc vous, parfois, dû à une monotonie, vous vous sentez obligé, d'une certaine manière, de suivre ce que les autres vous imposent mentalement, de dire, voilà, ce sont des choses bizarres, oui, ça n'existe pas, ça existe. C'est un mélange qui vous freine. Dans la méditation, et même dans des techniques d'arts martiaux, on travaille ça. C'est-à-dire qu'il y a une, comment je pourrais dire, on vide l'esprit. Et c'est curieux que j'en parle, j'en ai parlé avec quelqu'un ce matin, dû à un incident important, pourtant le gars était fameusement balèze, et me dit, tu sais, moi, les choses qui se passent dans mon travail, je les mets dans une valise, je la pose et puis je m'en vais. Il arrive à se mettre dans une condition pour oublier un petit peu les aléas du travail qui sont assez particuliers. Et quand il est dehors, eh bien, il est ouvert. Donc je veux dire que la méditation, voire même, attention, la lecture, hein, quelqu'un qui lit un livre calmement se déconnecte et rentre dans un univers qui s'adhère au livre et puis voilà. Eh bien, c'est aussi une forme de connectivité. Et pourtant, il y a des gens qui lisent un livre, tenez-vous bien, et ils sont fixés à lire le livre et en même temps, il y a leurs capteurs qui sont à l'extérieur et qui sont un peu... Je ne sais pas si on m'entend 5 sur 5, parce que j'ai un parasite. Je parle sur Internet. Hein. On t'entend très très bien, mais il y a comme un écho et de la friture un petit peu en plus. C'est pas le son qui va pas, mais... En Belgique, c'est normal. Voilà. Ensemble, ça va quand même. Donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Pendant que vous lisez un livre calmement, dans le calme, que vous sentez qu'il y a une forme de présence, une forme d'énergie, ou parfois un petit bruit que vous n'entendez jamais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ce genre de phénomène? Parce que vous n'êtes plus dans les tracasseries de la vie quotidienne, vous êtes focalisé sur un livre. Donc vous êtes concentré sur le livre, et vous sentez pourtant qu'il y a quelque chose qui, je dirais, qui tourne autour de vous, c'est un bien grand mot, ou un bruit, qui vient un petit peu
justement dire, tiens, tu es dans le calme, tu es concentré, eh bien je vais maintenant venir t'appeler, te toucher, te tester, je dirais même. C'est pas toujours évident. Je prendrai le même exemple, si vous le permettez, avec le voyage astral. Dans le même style, pour donner l'exemple, vous êtes dans une connectivité prêt à vous lancer dans ce fameux voyage astral, et à un moment donné, vous entendez votre nom, un peu comme vous êtes dans le sommeil. « Ah, on m'a appelé, qu'est-ce que c'est que ça ?» Moi, j'étais une fois dans un sommeil, et on m'a appelé. Je me suis réveillé, mais on m'appelait réellement, c'était l'huissier. Non, je blague, évidemment. Mais, vous avez déjà remarqué ça, qu'on dirait que quelqu'un est là. Et moi, j'avais un ami qui disait, tu sais, quand je m'endors et que je suis très bien, relax, après avoir bu un bon thé et ainsi de suite, j'ai toujours l'impression qu'on m'appelle dans les escaliers. Donc, sa chambre, évidemment, donne vraiment près de l'escalier et on dirait toujours qu'on l'appelle dans l'escalier. Et il n'arrive pas à comprendre. Eh bien, c'est un petit peu ça. Ce sont des petites mises en place de messages qui viennent vous tester, voir si vous êtes apte à vous améliorer et à vous ouvrir pour ce genre de communication. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que toute personne est apte à entretenir une conversation. Nous tombons dans le créneau de la TCI. Transcommunication instrumentale pour ceux qui connaissent bien sûr. Et là, nombre de gens qui sont extrêmement amateurs se disent « je ne suis pas doué, je suis persévérant ». Évidemment, ça demande de la concentration et de la persévérance. Eh bien, deviennent adeptes de la TCI pour justement avoir une manière, un support, comme les tarots, la boule de cristal ou ce que vous voulez, un support, une preuve aussi, parce que chaque individu qui traite et qui se trouve face à l'au-delà a toujours évidemment besoin d'une preuve. La meilleure preuve, évidemment, vous le savez, c'est l'amour, la connexion. Mais c'est très difficile parce qu'on a toujours ces gens qui viennent vous parler. C'est de la connerie, c'est du commerce, c'est blanc, c'est noir, c'est jaune. Et pourtant, c'est toujours là. Ce qui veut dire que nous sommes tous capables de percevoir un début de communication ou une lecture. Et quand on dit communication, c'est pas seulement TCI ou écriture automatique, loin de là. Hein. Ça peut être des petits trucs hein, très infimes, mais qui vous parlent à vous. Qui vous parlent personnellement à vous et pas à une autre personne. Sauf, il y a un cas, sauf si vous avez une âme sœur et que vous êtes vraiment proche avec elle. Et là me revient un tas d'anecdotes où des amis d'école d'enfance un jour se téléphonent et se disent « mais tu n'as pas perçu ça ? Tu te rappelles quand on était enfant, on faisait les mêmes choses, patati patata, on se voit plus tellement parce qu'il y a les aléas de la vie, on est marié, on a des enfants, patati patata. » Et puis, paf, comme dirait de Funès, on a un coup de fil d'une amie. Elle dit, tu sais quoi, j'ai rêvé d'un truc, où il y a un truc qui s'est passé chez moi, et j'ai repensé à toi. Et l'autre fille, et c'est une anecdote réelle, elle dit, eh ben écoute, franchement, c'est vrai que j'ai ressenti ça, j'ai pas eu un coup de téléphone ou un truc, mais j'ai ressenti les mêmes choses que toi. Ce sont des âmes sœurs, c'est une complicité énergétique, infranchissable, imbrisable, même quand une est encore vivante et l'autre, hélas, non. Est-ce que vous avez une réaction à ce que je dis? Pas une réaction violente, hein, mais une réaction ou une question à ce niveau-là? On met le micro. Bah oui, tu parlais de concentration. Mais évidemment, c'est l'essentiel, hein, parce que ce qu'on appelle méditation, c'est vrai que on associe méditation, et on a raison, au phénomène de relaxation, de sentir bien physiquement, de se laisser aller. Mais le but de tout ça,
c'est finalement de développer la concentration, parce que c'est la concentration qui va faire qu'on est soit en communication, qu'on peut faire changer les choses. La base de tous nos pouvoirs, au fond, est basée directement. Le premier élément, c'est de se concentrer. Alors, tu prenais l'exemple du livre. Bah oui, c'est très bien, parce que le livre, justement, comme on rentre dans l'univers de quelqu'un d'autre, eh bien, on oublie un petit peu le sien, ses préoccupations. Bah, c'est le même but que la télévision et tout ce qui distrait d'ailleurs. Mais la télévision, c'est plus passif, tandis qu'un livre, on a peut-être plus besoin d'être isolé, être en silence. Donc, on a le livre et on a soi. Alors que la télévision, il y a parfois beaucoup de personnages, c'est plus bruyant, c'est plus envahissant quelque part, c'est un autre plan. Mais c'est toujours l'histoire de se concentrer. Et les petits bruits, oui, bien sûr, quand on prend l'habitude, on n'a même plus besoin de lire un livre. Quand on fait attention, tout répond. Les gens sont très, 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 et encore ici, extrêmement focalisés sur le langage avec les personnes mortes, enfin décédées, mais il n'y a pas que ça. Il y a absolument tout qui communique. Les plantes communiquent, les animaux communiquent, les gens vivants communiquent, les phénomènes de télépathie aussi. Et alors, ils s'amplifient énormément pour le moment. On remarque, dès qu'on est attentif à tout ça, eh bien, les phénomènes de télépathie deviennent tout à fait monnaie courante. Avant, on pouvait être surpris. Enfin, dans la vie que je mène, là, ces dernières années, et particulièrement ces derniers mois, ça devient tout à fait habituel et normal. En fait, on ne se pose même plus la question, on n'est même plus surpris. Parce que forcément, il faut bien vous dire que tout est onde et vibration. Donc, il faut imaginer que c'est comme si l'univers, une espèce de vaste soupe de d'ondes et de vibrations qui vont d'un côté à l'autre, des fils comme ça qui passent d'un côté à l'autre, et nous, on les interprète évidemment. Donc, quand on pense à quelqu'un, il est presque normal que l'autre personne, elle peut ne pas en être consciente, mais de toute façon, ça a une répercussion sur la personne de l'autre côté aussi. Il y a quelqu'un qui est intervenu. Comme exemple. Oui, c'est moi, Sylvie. Oui. Je disais comme exemple, tu vois, régulièrement, enfin, moi, ces temps-ci, de plus en plus, je pense à quelqu'un, tu peux être sûr que dans les 48 heures qui suivent, il appelle. Que ce soit n'importe qui. Hein. Et alors, phénomène. Parce que je pense que la personne aussi, elle doit être connectée aussi. Il doit y avoir un moment où elle pense aussi, tu vois, il doit y avoir comme un contact. Comme un réseau, deux réseaux, et paf, il se touche, ça fait une étincelle, et l'information, elle est passée aux deux, quoi. Et tout est toujours été comme ça, mais maintenant, ça s'est particulièrement accentué depuis 2010, il y a une espèce d'accélération du processus, et si dans le monde extérieur, on est tellement connecté et on a cette faculté, finalement, les ordinateurs sont à l'image, s'ils ont été créés, c'est parce qu'ils sont à l'image de ce qui se passe dans notre cerveau. Il a été créé pour ça en plus. Bah voilà. Mais il avait été créé pour. L'homme voulait reproduire son cerveau. Quand il a créé Et alors, dans le sens inverse, c'est que les gens peuvent comprendre ce qui se passe au niveau communication grâce aux ordinateurs. En voyant comment ça se passe avec l'ordinateur, on fait le procédé inverse, on comprend comment ça se passe dans votre cerveau. C'est pour ça qu'on peut établir plusieurs communications en même temps avec plusieurs personnes. Avant, on croyait que c'était pas possible, etc. Maintenant, puisqu'on sait le faire par ordinateur, il faut bien se dire qu'on sait le faire nous-mêmes, on sait le faire aussi. Chacun à son niveau, avec soit tout le temps, on peut aussi effectivement interrompre la communication. On fonctionne vraiment comme ça parce que tout n'est qu'échange d'ondes et de vibrations et avec tout ce qui nous entoure. Hein, je répète, c'est pas du tout. Il faut vraiment pas se focaliser qu'avec les âmes des défunts. C'est avec tout notre entourage, avec tous les éléments qui nous entourent, même les objets, parce que on prend par exemple un objet chargé d'une certaine vibration parce que l'objet a capté, il a été longtemps dans un certain endroit, donc il a assimilé les vibrations. Je pense que ça vient aussi de la personne qui le crée, la pièce.
Oui, aussi. Donc, un Que objet, la personne par a mis quand exemple. elle l'a fait, si elle l'a fait avec vraiment une énergie d'amour, la pièce, elle aura déjà cette énergie-là. Si maintenant il a fait Oui. ça à contre-cœur, la pièce, elle va se charger de toutes les. Enfin, je sais pas, je vois ça comme ça. Oui, c'est pas seulement. J'étais en train de dire que, en fait, n'importe quel objet porte en lui-même une vibration. C'est la raison pour laquelle, quand c'est bien de, quand on veut se renouveler, quand on veut se détacher des vieilles énergies, d'aussi se débarrasser, liquider, oser laisser partir toutes les vieilles choses qui ne sont plus utiles. Parce qu'une fois qu'on rentre dans cette dimension de communication, on comprend que la vie se renouvelle perpétuellement, qu'on ne va pas être en manque. Plus c'est comme les branches d'un arbre, plus on en coupe, il va y en avoir beaucoup qui poussent. Donc, il ne faut pas avoir peur quand ce sont des choses qui ne sont plus utiles ou qui ne sont pas nécessairement positives. Il ne faut pas nécessairement les garder parce que si elles encombrent votre maison, elles vont aussi encombrer votre champ énergétique. Votre cerveau et votre, enfin tout ce qui est affectif. Donc, je dis pas qu'il faut pas en garder quelques-uns, mais objectivement, c'est bien de faire souvent le tri et de pas de s'embarrasser d'un tas de choses inutiles parce que tout ça, Faire on le le vide porte avec aussi. soi au niveau vibratoire. Faire le Donc, il n'y a pas vide. que les gens, hein, il y a vraiment tout, Le toutes les nettoyage de choses, tous les printemps, on objets, dit. toutes les personnes. Moi, si vous le permettez. J'aimerais savoir justement si vous avez un contact, donc une certaine aptitude à percevoir les signes de l'au-delà, est-ce que c'est vraiment nécessaire parfois de couper ce contact? Est-ce que ce n'est pas plutôt intéressant d'aller, je dirais, aller jusqu'au bout de cette conversation que de couper la conversation et peut-être de créer justement une mauvaise énergie par la suite. Qu'est-ce que vous Attends. pensez un petit peu de cette manière de voir les choses? Mais qui est-ce qui t'a parlé de couper? Enfin, c'est pas par rapport à ce que j'ai dit que tu réponds ça. Non, absolument pas, hein. Ah oui, d'accord, Non, parce que je non, dis. non, parce qu'il y a des gens, la communication passe bien et par un coup de blues, on va dire, ou de parfois peut-être d'énervement, coupe la conversation et se ferme complètement. J'ai déjà remarqué les gens, après, ils ne sont plus vraiment le même et dans leur vie, il y a toujours des trucs qui se passent qui ne sont plus tellement positifs. Donc ça voudrait dire que si on coupe artificiellement, volontairement, à cause d'une émotion plutôt. Je dirais virulent parce qu'on en a marre du voisin ou de telle et telle chose, on veut tout laisser tomber. Est-ce que c'est pas, entre guillemets, dangereux? Je dirais plutôt, est-ce que c'est pas malsain de couper automatiquement, nocif, pour reprendre ton mot, de couper justement ce contact? Est-ce qu'on ne risque pas d'attirer autre chose peut-être? Oui, de toute façon, c'est toujours important quand on fait quelque chose. J'arrête pas de répéter ça dans tous les articles que je publie, mais c'est tellement important de toujours se regarder et vraiment observer ce qui se passe en soi et pourquoi on le fait. Parce que tant qu'on se concentre sur l'extérieur et qu'on ne voit pas ce qui se passe en soi, et c'est à ça que ça sert la méditation, c'est à observer soi, en fait, et se regarder faire. Et évoluer et parler. Parce qu'il n'y a que à partir de ce moment-là qu'on parvient, c'est comme à gérer ses propres énergies, c'est vraiment apprendre à. C'est comme si on reçoit un traîneau tiré par des chiens, il faut apprendre à diriger ces chiens et pas qu'ils courent tout seuls comme ils veulent dans tous les sens, parce que sinon on n'y arrive pas, quoi. C'est important de. Et c'est pareil, c'est ce qu'on est censé apprendre à faire avec ses pensées, ses émotions. C'est pas du tout. Qu'elles n'existent pas, mais c'est à la fois ne pas s'identifier et puis les regarder, ne pas trop y participer. Donc, à propos de couper, ben, en général, ça vient de peur, ça vient effectivement de croyances, de culture, comme tu expliquais, et tout ça, on est censé s'en détacher le plus possible, surtout maintenant. Parce que pour rentrer dans ces nouvelles dimensions dont on parle et pour pouvoir développer ces nouvelles capacités qui sont en nous, mais souvent à l'état latent ou à peine ouvert, il faut
se détacher de toutes nos croyances, de toute notre éducation, de toutes nos structures, pour quelque part arriver en terrain vierge et pouvoir recevoir autre chose. C'est le pareil pour toutes les informations. Ce qui se passe actuellement, c'est que on a toujours fonctionné au niveau de la mémoire et du cerveau, de la logique du cerveau gauche. On a capté les informations pendant très longtemps, surtout jusqu'à la fin au 20e siècle, même s'il y a beaucoup de gens qui ont été déjà branchés avant, on va dire ça. Mais en deux dimensions, c'est-à-dire on communiquait des informations. D'abord, c'était par voie orale, et puis par écrit, et puis on les apprenait, etc., etc. Et on assimilait, on apprenait. Maintenant, beaucoup de gens se plaignent d'avoir des troubles de mémoire. Et certains s'acharnent à vouloir absolument se souvenir, etc. Je sais que la mémoire, ça se travaille aussi. Mais c'est un phénomène souvent très utile, parce que pour pouvoir s'ouvrir à une connexion multidimensionnelle, il faut d'abord fermer la porte avec laquelle on a l'habitude de fonctionner, c'est-à-dire le mental. Pour pouvoir se connecter, Willis, tu sais bien de quoi je parle, sur différents plans, il est clair qu'il faut vraiment accepter de ne plus écouter le mental. Parce que sinon, tant que cette porte-là est ouverte, il y a beaucoup de bruit qui arrive par là et on ne capte pas les autres informations, notamment télépathiques. Si tu le permets, Catherine, excuse-moi. Je voudrais aussi intervenir sur ce que Equinox disait. Il disait que dans la phase du sommeil, donc au début du sommeil, il y a un moment où ça favorise justement cette connexion. Et c'est vrai ce qu'il dit, d'autant plus que parfois les médiums, les voyants, parfois dans une phase de fatigue, mais je vais un petit peu expliquer ce que je veux dire, ils ont une connexion plus forte, moins longue, mais ils sont plus réceptifs parce qu'ils ont une fatigue. Cette fatigue, en fait, attendons-nous bien, c'est une fatigue de la journée. Des tracasseries, enfin de toutes choses, et puis ils tombent dans une phase où justement ils se déconnectent et leur sens, je dirais plutôt de extrasensoriel, est plus ouvert. Maintenant, il y a autre chose à ce niveau-là. Il y a des voyants, des voyantes, qui leur fatigue n'est pas naturelle. Je m'explique. Il y a des voyants, des voyantes, qui font leurs prestations comme des robots. Ils sont par exemple associés et doivent avoir 15 clients par jour. Évidemment, leur potentiel est largement tari, voire même plus existant du tout. Donc là, ils tombent dans une fatigue, mais cette fatigue les conduit vers une forme de dépression nerveuse, de développement de doutes. Et puis, ces doutes, dus à leur sensibilité extrasensorielle, eh bien, ils le traduisent en énergie négative autour d'eux et notamment dans leur famille. Donc, entendons-nous bien, on a une fatigue excessive due à vouloir tenir le coup et en vivant évidemment professionnellement de ce genre de faculté, mais à un moment donné, la source, entre guillemets, on va dire, se tarit à cause d'une fatigue trop forcée. Tandis que, il y a des voyants, médiums et ainsi de suite, d'autres se laissent aller et tout doucement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les sens extrasensoriels prennent le dessus des autres sens. Rappelez-vous, est-ce que ce n'est pas un peu le même principe que les expériences de mort imminente? Il y a une grosse similitude à ce niveau-là. Hein? Et si nous avons l'occasion d'avoir plusieurs invités, il y a des voyants qui vous diront, c'est vrai, quand je suis dans une phase de relaxation, de pré-sommeil, j'entrevois, je perçois beaucoup mieux. Et comme Equinox disait, c'est vrai que dans notre phase de sommeil, au moment où nous allons donc partir dans le pays des fées,
Eh bien, nos sens habituels qui sont en alerte toute la journée nous disent bye bye pour rentrer dans le rêve. Et entre les deux, eh bien, il y a grande chance que nous percevons déjà une forme de communication. Qui ne dit jamais parfois tiens, j'allais dormir et j'ai vu une personne qui allait mourir ou une personne qui est morte s'asseoir sur mon lit. On entend souvent plus des gens que cette manifestation se font dans leur chambre. Mais dans la chambre, il y a un lit, si vous le savez. Donc, ils sont déjà relax, prêts à aller dormir, prêts à se laisser partir. Et qu'est-ce qui se passe? Berdaf, comme on dit, il y a une manifestation selon le potentiel de réceptivité que vous avez. Et il y a des gens qui arrivent à percevoir une entité, un fantôme, une personne de la famille, ou alors des messages concrets qui même se développent dans le sommeil et le rêve. Voilà. Catherine, tu avais un mot ? En fait, cet état, je crois que, comment ça s'appelle ? C'est pas l'état alpha, justement ? C'est pas ça, l'état alpha ? Tout à fait. Si, c'est ça, c'est l'état alpha. Voilà. C'est aussi ce qu'utilisent les gens qui font de l'hypnotisme, cet état-là, pour rentrer, pour soi, enfin, pour ceux sur qui ça marche, conditionner les gens. C'est aussi cet état qu'on appellerait peut-être... Oui, les artistes sont aussi très influencés par cet état-là. Et je dirais que... j'ai déjà parlé de ça avec beaucoup de gens qui sont créatifs et tout ça. Il est plus souvent stimulé, bizarrement, après minuit. Quand il y a une espèce de fatigue qui arrive, justement, qui envahit, c'est de nouveau la même chose. Du coup, on perd son acuité mentale, hein, tout ce qui est mémoire, esprit, truc logique, très analytique et très pragmatique. On est fatigué, donc on laisse ça tomber. Et c'est ça qu'il faut. Et c'est à ce moment-là qu'apparaissent effectivement toutes les autres perceptions. Et en fait, pour développer nos fameuses capacités extrasensorielles, on doit vraiment travailler beaucoup cet état-là. C'est la première étape. Parce que tant qu'on reste extrêmement vigilant au niveau mental, on n'y arrive pas. Parce que ça crée, c'est comme une trop grande lumière qui empêche de voir un état qui serait, si je peux donner une image, un état qui serait entre l'ombre et la lumière. Voilà, parce que c'est trop... Voilà, donc c'est super important. Et c'est ça, en fait, qu'il faut travailler. Et c'est ça qu'on fait en méditation ou en concentration ou avec des tas d'autres, quand on est relax ou quand on peut être à la plage aussi. C'est le fait de se laisser aller, d'oublier de penser. Parce que c'est ça, c'est le... D'abord... Pardon. Arrêter de penser. C'est vraiment indispensable. C'est quelque chose qu'on devrait apprendre à faire dès l'école gardienne, ça, hein, parce que... On apprend aux enfants des tas de choses profondément inutiles et on ne leur apprend pas l'essentiel. Et être capable d'arrêter de penser ouvre des portes à des facultés extraordinaires. Parce que justement, ça si nécessite... Si je peux prendre... Ouais, une maîtrise. Ouais, vas-y Catherine. Catherine, continue. Je disais que le fait d'a... J'en parlerai après. Apprendre, arrêter de penser, c'est quelque chose qu'on devrait vraiment... promouvoir entre guillemets et comprendre que c'est essentiel pour accéder à autre chose. D'abord, on se repose vraiment, c'est-à-dire que on rentre sans devoir dormir absolument, parce que le sommeil physique c'est pour arrêter de penser, mais enfin on peut aussi arrêter de penser en étant éveillé, et alors on rentre effectivement dans un autre état et on a accès à des tas d'autres capacités qui ne sont pas là en temps normal. Voilà, arrêter de penser et alors voir ses émotions d'extérieur, c'est ça les deux clés pour pouvoir vraiment se relaxer et accéder à d'autres dimensions, parce qu'on se détache des émotions et des pensées et alors on a accès à une multitude de facultés qui sont en nous et elles sont différentes pour chacun et chacun peut aller les explorer. Mais tant que les personnes sont... C'est pour ça que c'est si important de se ménager des plages de temps dans votre vie où vous ne devez rien faire. Et surtout pas courir à gauche, à droite. Un emploi du temps où on calcule chaque 10 minutes est occupé. À la rigueur, c'est vraiment très important pour les enfants comme pour les adultes de se garder des temps
où on n'est pas occupé avec une information extérieure et pas occupé à faire quelque chose pour justement avoir ces disponibilités-là. C'est comme ça qu'on peut apprendre à développer ces facultés paranormales. Je voudrais intervenir sur ce que Mephisto vient de noter, la musique binaire. Je m'explique, donc Mephisto fait partie du groupe SRIPB et qui fait également partie de l'équipe de l'ASBL Alpha Medium. Et on a remarqué que les enfants Adigo pouvaient travailler dans un code binaire. Ce fameux code qui a été développé par Monsieur Morse, sous l'idée d'une autre personne, c'était dans un train, bon, il y a une discussion. En fait, la discussion entre un professeur et Monsieur Morse dans un train expliquait le système alternatif du courant et du continu. Et Monsieur Morse a eu l'idée de créer, bien sûr, le système binaire au niveau du Morse, donc tout le monde sait bien un point et une barre. Mais avant lui, quelqu'un a prédit que le système binaire, sans penser aux enfants Adigo, vu qu'il y aura une conférence là-dessus, savait que le système binaire pouvait contrôler l'esprit humain, le modifier et créer évidemment le lavage de cerveau. Décidément, qui a inscrit cette formule, ce système, dans le fameux Codex Atlantico ? Vous le connaissez tous, ce personnage qui a prédit évidemment et malheureusement le lavage de cerveau dans des camps de concentration. Et il écrit des siècles avant, dans le fameux Codex Atlantico, c'est Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, dans ses systèmes de recherche, avait découvert que le système binaire était le seul système compréhensible de tout le monde. Et on sait maintenant que les 30% qui se sont développés les dernières années au niveau des enfants Adigo, eh bien dans les tests qui sont faits pour voir à quel niveau ils sont, quelle ouverture, quel développement, tenez-vous bien, on se sert du Morse. Mais alors on se gratte la tête. Pourquoi on se gratte la tête ? Décidément, Jagors qui gratte. Pourquoi on se gratte la tête ? Parce qu'on a découvert dans les grottes, les fameuses grottes où l'homme allait se réfugier, où il dessinait, rappelez-vous, une main et des ours et tout ce que vous voulez, il y avait des symboles binaires aussi. Il se repérait avec des symboles binaires. Et ça a été compris les 50 dernières années, et qui se servait des codes binaires également pour évoluer et se faire comprendre. Vous le connaissez aussi. Eh bien, c'était Jules César. Et qui s'est servi en dernier du code binaire ? Il l'a transformé avec des chiffres, le fameux système Enigma. Tout le monde sait que c'est quoi le système Enigma ? Divilès, est-ce que tu n'essayerais pas de baisser un tout petit peu ton son pour que ça nous fasse moins de friture, parce que c'est vraiment très très fort. Et si tu baisses un petit peu le volume, style que tu vas à 80-85%, on va peut-être moins entendre la friture. Mais c'est parce que j'ai pas de friture, j'ai que des fricadelles dans le micro. Oui, c'est ça. Et nous, on entend beaucoup de frites. Ah non, mais non, t'entends plus, ça va pas, malheureusement. Donc, mais c'est parce que c'est très très fort. Voilà, attendez, c'est mon micro. C'est mon micro. Et alors, évidemment, comme vous le savez, si vous lisez la page Facebook, l'échange, vous verrez pourquoi parfois je crie assez fort. Non, non, c'est vraiment pas donc, toi, voilà. C'est vraiment la technique. Hein. C'est pas ta voix, c'est l'ordinateur, voilà. Donc voilà, c'était simplement pour souligner, voilà, la machine a décodé que les Allemands ont créé, évidemment, et que, bien sûr, ça a été retrouvé
Et on a pu décoder ainsi ce que les Allemands faisaient pour les fameux U-boats, ces sous-marins allemands qui ont détruit énormément de bateaux. Bref, c'est pour dire que le système binaire Morse peut être adapté aussi avec un lettrage au lieu d'avoir des barres et des lettres, et de l'associer après qu'à un chiffre, et là on a justement une codification. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir dans tout ça? Eh bien, le système binaire, si on le domine bien, on découvre que ce sont des ondes et des fréquences différentes, et ces fréquences et ondes différentes, on les inclut dans des mots en créant l'hypnose. Ce qui veut dire que quand on domine tout ça, les fréquences et les paroles qu'on ingère dans le cerveau d'une personne paralysent complètement la pensée de l'individu et fait ressortir ce système, et la personne obéit automatiquement à un mot-clé. Je ne vous invente rien, parce qu'avant que l'hypnose soit vraiment mise au grand jour, c'était utilisé dans les années 50 pour préparer des espions soviétiques. On appelait ça, vous le connaissez, les espions dormants. Ces fameux espions dormants dont on voit parfois des films, on entend un mot-clé, boum, il se déclenche, patati patata. Eh bien, il y a un peu de vrai dans tout ça. Et aussi, on soigne des gens qui ont des phobies. Par exemple, le mot « araignée » les fait complètement disjoncter. Eh bien, on travaille ces mots, on leur mémorise ces mots « araignée », mais on leur donne une autre image, une autre énergie. Et ensuite, l'araignée, le mot « araignée » ne les perturbe plus. Voilà, je te laisse la parole, Catherine. Ah oui, attends, je remets mon micro. Voilà, je remets mon micro. Oui, oui, bah oui, c'est tout le travail qu'on peut faire en sans nécessairement passer par l'hypnose pour reconditionner. On revient à l'image que le cerveau fonctionne comme l'ordinateur, donc on peut aller modifier l'application ou le programme ou retirer un élément, en mettre un autre à la place. Et une fois qu'on comprend ça pour soi et qu'on apprend à l'utiliser correctement, c'est pour ça que le monde va changer totalement quand on aura découvert ses facultés. Là, jusqu'à présent, le monde a été construit, toutes les structures politico-économiques, sociales n'ont été construites que avec des dimensions très limitées qu'on appelle 3D, hein, c'est-à-dire la survie, la satisfaction des besoins physiques, affectifs de base, mais affectifs attachement, la reproduction, etc., le combat, la lutte et tout ça, et le côté « je suis plus fort », le territoire et tout ça, et on va passer à toute autre chose avec toutes ces nouvelles capacités, ces nouvelles facultés, parce qu'on est en train de découvrir toutes les possibilités qui sont... En fait, on disait déjà, il y avait déjà plein de livres écrits dans les années, je crois que 60, 70, 80, etc., même avant, même 60, qu'on n'utilise que 5 à 10% de nos facultés dans notre cerveau. Vous imaginez, qu'est-ce qui reste? 5 à 10, donc il reste au moins 90% qu'on n'utilise pas encore. On a de quoi faire. Hein. Tout à fait. Et voilà, et ça fait, et alors on est vraiment, on est au passage. Ça veut dire qu'au niveau ordi, on en est qu'à 5%, quoi. J'ai pas compris, oui, ce que tu as dit. La création des... Je dis au niveau de la création des ordinateurs, au niveau mémoire et tout ça, on en est qu'à 5%. Ça, je sais pas au niveau des ordinateurs, mais en tous les cas, au niveau pareil, du... Ça doit être... Enfin, ça paraît logique. Non, je dis, en fait, l'ordinateur nous montre comment ça fonctionne. Oui, oui, bien mais sûr, comme c'est l'homme qui l'a créé, et qu'il a voulu créer à son image, ça veut dire qu'il a créé 5% de ses capacités. Mais je vais te répondre. Et si plus tu on me va permets, découvrir, plus on va découvrir nous. Attends, je finis. Plus on va découvrir nos capacités, plus les ordinateurs vont se développer, puisqu'on va créer ce qu'on connaît déjà. Le but de l'ordinateur est un petit peu l'inverse, c'est qu'on va pouvoir, en fait, par exemple, la télépathie, on va prendre l'exemple de la télépathie. Bon, d'abord, on a créé, au 19e siècle, je crois, le téléphone, et puis maintenant, on est un tout autre système, on parle par Skype, on parle en direct, là, comme ici et maintenant. Et en fait,
Après, et c'est en train déjà de se développer, les gens peuvent aussi communiquer par télépathie. Et ça se développe de plus en plus, et c'était déjà le cas, mais particulièrement depuis 2010, ça s'accentue. Si vous êtes avec des personnes avec lesquelles vous vous entendez bien, et vous êtes, c'est le cas de le dire, sur la même longueur d'onde, cette expression est tout à fait juste et justifiée, eh bien vous pouvez avoir des communications télépathiques, et à la rigueur, on peut même, à un moment donné, quasi lâcher. On peut faire des jeux aussi avec certaines personnes avec qui vous êtes. On peut lâcher les moyens de communication plus tangibles et plus manifestés, comme ça, pour vraiment développer cette télépathie. Vous pouvez, si vous avez des gens dans votre entourage avec lesquels vous vous entendez bien, faites les tests télépathiques. Parce que c'est même plus une surprise, hein. On va rêver de la même chose ou plus ou moins en même temps. Ça revient aussi aux synchronicités. On voit une chose et le jour même, dans les 24 heures maximum, on se retrouve avec un signe qui vous dit exactement la même chose. Et c'est assez surprenant. Et ça devient tout à fait passionnant aussi, parce que ce qui avant était considéré comme tout à fait extraordinaire, hors norme, spécial et tout, eh ben maintenant ça devient habituel, et finalement toute la vie devient comme ça, et c'est comme une fable, et ça peut changer beaucoup de choses, parce que ça donne vraiment accès à un tout autre moyen de communication. Je voudrais intervenir sur quelque chose, hein. On est en train d'être un peu leurré dans l'histoire de la technologie et de l'informatique. Parce que, à un point particulier, je prends par exemple le GPS. Nous avons le GPS depuis les dernières années ici. Mais il a quand même été inventé en 1956, hein, aux États-Unis. Pour l'armée et la NASA. On est bien d'accord. Parce que le GPS a été conçu pour avoir le LEM et le module stationnaire, donc le LEM et la capsule, pour s'orienter, se rejoindre. Rappelez-vous cette fameuse image dans le cosmos où on a le LEM qui vient se mettre contre la petite capsule de la fusée. C'est pour ça que le GPS a été inventé au début, hein. Et puis, après les années 2000, les gens, nous, le petit peuple, a connu les GPS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous regardez le projet ARP, il est déjà beaucoup plus évolué que ce que nous voyons sur Internet. Et les renseignements qu'on vous donne, si déjà pour un bête GPS, nous avons dû attendre de 1956... pour qu'il soit opérationnel en 1969 jusqu'en 1975 lors de la guerre du Vietnam, et qu'il y a eu des contrats signés dans les années 80, 85, et que malheureusement, parallèlement au GPS, on commençait à voir les projets de GSM. Évidemment, c'était l'appât de l'argent avant de faire comprendre au peuple que notre technologie que nous avons maintenant sur notre bureau est déjà obsolète. Et oui, si vous prenez à la base le petit détail du GPS, regardez le bon que l'armée a fait et la NASA, la recherche, vous avez déjà maintenant le prémisse où vous avez une projection de votre carte géographique sur le tableau, sur le pare-brise de votre voiture. C'est le début. L'armée a déjà ça sur certains casques et notamment sur certains hélicoptères qu'on appelle Apache ou Cobra. Et ça existe déjà passé 10 ans. Ça veut dire que la technologie qu'on nous donne est contrôlable. Ça veut dire que si jamais il y a des groupes qui décident de prendre possession réellement de l'informatique, ils sont vus à plate couture. Et oui, et si on voulait se faire des hackers, des gens qui sabotent vos sites, c'est simplement pour la vente. N'oubliez jamais qu'il y a un pourcentage de gens qui s'introduisent dans votre ordinateur pour vous faire bouger et acheter. Et oui, l'informatique, nous n'avons que 50% de technique sur notre marché.
Encore une preuve, vous voulez encore une preuve? Très simple. Regardez les écrans plats, la vitesse qui se développe. L'année passée, c'était des écrans avec rétrospection, je vais dire, rétroactive des lumières. Maintenant, vous avez d'autres systèmes qui arrivent. Le système 3D des télévisions tombe à l'eau. Pourquoi? Parce qu'au cinéma, le système 3D n'a pas fonctionné non plus réellement. Les gens préfèrent un bon son qu'un système 3D. Ça veut dire qu'on nous teste à travers des anciens systèmes et après on nous donne le bon. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Notre meilleur système, c'est notre cerveau. Nos capacités extrasensorielles qui peuvent dominer et se mesurer à la technologie d'une certaine manière. Prenez simplement l'exemple, vous avez une technologie complète, magnifique, super. Paf, il n'y a plus rien. En 2 secondes, maintenant que je vous parle, il n'y a plus de courant. Vous devrez vous débrouiller pour manger, pour vivre, pour réfléchir, pour survivre et recommencer un système d'évolution. Bien sûr, les technologies créeront, et encore maintenant, on sait créer des êtres artificiels. Attention, quand je dis être artificiel, c'est remplacer un bras, remplacer un cœur. Je ne peux que penser à ce monsieur qui a été abattu dans son appartement l'année passée. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Eh bien, c'était un expert en informatique. Il a fait une conférence. En fait, il en a fait deux. Sa première conférence, et grâce à son ordinateur, il a ouvert un banc contact devant tout le monde. Sans toucher le banc contact, il a ouvert le code avec son ordinateur. Et la deuxième conférence, et la dernière en France qu'il a faite avant d'être assassiné, eh bien, il a montré que tous les pacemakers et les petits contrôles d'insuline qu'on a sur soi pour les malades, ils pouvaient les dérégler et tuer des milliers de gens. C'est authentique ce que je vous dis. Imaginez-vous maintenant qu'il y a un dysfonctionnement technologique, eh bien, on n'est pas dans le... Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, deuxième chose, notre technologie, elle n'est pas ici. Elle est dans un ou deux satellites. Elles sont, tenez-vous bien, toute notre réserve technologique, notre savoir en technologie n'est plus sur la Terre, elle est en train de tourner autour de nous. Dans des satellites bien placés, au cas où. Il y a un homme qui le savait. Il y a un homme qui voulait en parler. Parce que son métier, c'était de préparer ses satellites. Et il y a un an et demi, on l'a retrouvé abattu avec sa famille le long d'une route, en disant que c'était un bête assassin qui passait par là. Et comme c'était un tueur à gages, eh bien, il a battu un mec en vélo pour dire que c'était un fou et qu'il abattait tout le monde sur son chemin. C'était vraiment bien étudié. Maintenant, je vous dirai pas comment je sais les renseignements. Et si je vous dis simplement, comme le mot que j'ai dit au début, rappelez-vous de notre conversation, comme quoi il y avait des instances juridiques sur le site et l'alpha, le ASBL Alpha Medium, c'est, je sais de quoi je parle. Comprenez ce que je veux dire? On va laisser ça de côté maintenant et je vais vous laisser la place évidemment à notre ami Ariel. Donc pour ceux qui ont besoin d'un contact pour eux, un salon, une conférence, il s'adresse évidemment en premier à Angel, Angel 22. Elle donne le dossier à Ariel qui va tout mettre en place pour vous offrir une conférence. Donc il y a deux personnes, il y a Maeva que vous ne connaissez pas encore sur son pseudonyme. Il y a Ariel qui est directeur évidemment de la mise en place des conférences et des salons de voyance. Et en convergence évidemment avec Angel 22 qui gère elle l'entièreté évidemment des dossiers. Elle a un petit peu le noyau dur, je vous l'ai dit. Notre
notre archiviste, je vais dire, de tout ce qui se passe. Voilà. Alors, encore une précision. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé qu'est-ce qui s'est passé avec l'histoire Fiona. Eh bien, vous avez vu les MP que Béat Yanche a mis. Je m'explique, quand vous allez lire un petit peu ce qui s'est passé en MP, j'avais mis simplement, il y avait eu un site, une page Facebook qui disait qu'il fallait faire attention, patati patata, et j'avais dit attention, parce qu'il y a des gens qui écoutent, qui regardent tout ça, il faut absolument faire attention à ce qu'on dit. Donc, moi j'avais mis un MP à Béat Yanche il y a 4-5 mois, lui disant, voilà, je sais ce qui s'est passé, que la maman était dans l'histoire, enfin bon, bref. Et je lui ai dit, écoute, Béa, je te laisse seul témoin, garde ça en MP quelque part et on va le ressortir au moment. Donc ça explique un petit peu l'histoire Fiona. Et encore, vous verrez, il y a encore des choses beaucoup plus graves que cette histoire, malgré que malheureusement, ça finit toujours mal. Et si vous écoutez la conférence, la première conférence que j'ai eu l'occasion de faire avec notre ami Ariel, à un moment donné, j'en parle. Donc je l'ai fait exprès pour que ce soit enregistré à la date avant que tout ça survienne sur les médias. Voilà, je laisse la parole à Ariel, j'essaierai de vous aider aussi pour vos photos. J'espère qu'on arrivera à faire toutes les photos. Je rappelle rapidos, comme on dit chez nous, que le 19 octobre, il y a encore une conférence, la porte du paranormal. Et voilà quoi. Voilà, je laisse la parole à Ariel. Ariel, c'est à toi de jouer, j'interviendrai pour les photos aussi. Catherine également, si elle veut. Je rappelle que Catherine était anciennement directrice de Kodak et elle va nous donner un coup de main. Bon, on m'appelle bien le directeur d'IKEA, je meuble les choses donc. Non mais ça va. Kodak, pourquoi Kodak? C'est quoi ça? C'était la marque. Ben, les appareils photo Kodak. Qui est... voilà. C'est la fin. C'est fini à ça, les Kodak. Mais moi, je n'ai pas la fortune Kodak. Non, non, non. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Non, elle a la fortune Galak, les chocolats. Oh là là. Voilà, alors c'est... alors, voilà, Ariel, remets-nous le lien, s'il te plaît, Angel, pour les fameuses photos, qu'on soit sur la bonne page. Voilà, bon. Parfois, on n'a pas tous les mêmes photos. Merci. Ben, disons que maintenant, il y a beaucoup plus de photos que d'habitude. Donc il y a l'album photo. Alors maintenant il faut... pour... oui, attends, il faut que je retrouve d'abord la par laquelle. Il y en a pas mal. Depuis la dernière fois, oui, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup. Alors je vais commencer par celle de... Celle de la photo de Vincent Perrault. Pour ceux qui veulent voir les photos, il faut aller sur Facebook et marquer dans l'icône les photos de l'invisible. Et là, vous trouverez la page de toutes les photos. Si certaines personnes veulent mettre des photos, qui peuvent les mettre. Voilà, mais déjà, je la vois pas. Il faut aller sur Facebook et il marque dans le moteur de recherche les photos de l'invisible. Oui, mais ça, je ou tout simplement copier le lien que Angèle a mis sur le site. Allez sur Radio Hype, Angèle va mettre le lien. Et vous cliquez, vous retombez, voilà. Voilà. Attends, c'est ce que j'enchaîne. Ariel, tu sais nous dire par quelle photo tu commences, s'il te plaît? Oui, un instant. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup. Alors, je vais commencer par la photo de Vincent Perrault. Celui qui a la grosse tête, non? Oui, c'est lui qui a comme un... non, je blague, hein. Vous le savez. Oui, je sais. Alors, où est-ce qu'il est celui-là? C'est pas du méchant, hein, c'est pas méchant. Non, c'est une photo qui a été mise... Par contre, moi, je suis en train de chercher... Ah, voilà, j'ai trouvé, voilà. C'est une photo qui a été mise hier vers 6h30, vers 18h30. Oui, il est fort en dessous. Mais il y a d'autres photos en dessous encore, mais... Je vais aller quand même pour prendre les plus récentes, celles de hier à aujourd'hui. Ah oui, je vois. Alors, par rapport à... Ok. Oui, je vois qu'il a de... pas mal de problèmes intérieurs en lui, qu'il doit résoudre, forcément, il est encore jeune. Il a eu pas mal de traumatismes, en tout cas.
Et c'était un personnage quelque part assez renfermé. Et même un peu trop surprotégé par sa mère. Il y a un lien entre lui et sa mère assez forte. Mais c'est aussi quelqu'un qui a un cœur assez grand, beaucoup de sensibilité, avec un amour profond. Quelqu'un qui a aussi du mal un petit peu à exprimer ce qu'il ressent, mais il est très visionnaire. Il parle beaucoup avec ses yeux qu'avec sa bouche. C'est quelqu'un que je ressens qu'il a besoin d'être sentir en sécurité. Il a très peur de la solitude. Et je comprends que maintenant, quelque part, là, que la mère a peur de cette solitude et qu'elle enveloppe son fils en recherchant en lui cette solitude que lui a et que quelque part, il y a une sorte de violation de comment est-ce que je veux dire ça ? Quand une personne est en manque de solitude, très souvent, on va chercher la solitude chez l'autre. Et un peu comme une sorte de violation quand une personne a une solitude intérieure, comment est-ce qu'on va dire ça ? Bien faite et que l'autre personne s'en sert de ça pour se sentir assez bien. Et c'est un petit peu comme cet amour dépendant de l'un et de l'autre. Et quelque part, à lui, ça n'a pas l'air de l'étouffer, mais d'un autre côté, ça l'étouffe. Il ne faut pas rester étonné si la maman ne se sent pas bien parfois, pas par elle-même. Et puis, entre eux deux, c'est vrai qu'il y a un circuit assez fort. C'est aussi une amanigo. Mais de toute façon, bon, je vois qu'il a fait un accident de voiture, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui doit apprendre à se réouvrir au monde. Je vois qu'il a quand même beaucoup de perturbations sociologiques. Et je comprends maintenant pourquoi la mère est derrière. Et donc, voilà. C'est sans doute quelque chose à double tranchant. La maman veut trop surprotéger son enfant. Et du coup, elle l'empêche quelque part en voulant peut-être bien faire, mais aussi parce qu'elle a besoin de lui. En fait, elle maintient, en croyant bien faire, elle maintient une dépendance affective qui l'empêche probablement un peu de voler de ses propres ailes. Et ça arrive très souvent hein, avec les mères qui veulent en faire trop parce qu'au fond, elles s'ennuient, elles ont besoin de se sentir indispensables. Il faut bien comprendre qu'un enfant, il devient adulte. On peut bien s'inspirer de ce côté-là, de l'attitude des animaux, qui souvent est plus saine que celle des humains, parce qu'ils protègent énormément leurs enfants. On voit les animaux, ils s'occupent vraiment bien des enfants petits, ils font tout ce qu'il faut, mais à un moment donné, ils les laissent et ils obligent à partir. Et dans notre civilisation, souvent, on garde une espèce de dépendance excessive, parce que les gens, sinon, s'ils perdent leur rôle de parents, il y a beaucoup de gens, ils ne se sentent plus exister. Et ça, c'est assez... mais c'est très subtil et c'est très... ça va dans tous les sens. Et les personnes sont tellement focalisées sur l'autre en croyant bien faire que c'est à peine s'ils s'en rendent compte. Mais c'est super important de laisser à chacun... Tu veux dire, espèce de violation, je comprends ce que tu dis. Elle ne lui laisse pas son aura. Pour être en bonne santé, que ce soit n'importe quel individu, même n'importe quel animal et n'importe quelle plante, en fait... On a besoin de son territoire énergétique. Et quand on est toujours dans le territoire énergétique de l'autre, trop proche, ou qu'on s'occupe tout le temps de lui ou tout ça, la personne, quelque part, elle ne peut pas se développer, elle peut pas développer son individualité correctement. Même, alors là, je vais peut-être dire quelque chose de très choquant pour tous les couples, mais en principe... Et ce sera le cas dans le futur pour beaucoup de gens, pour bien dormir, pour se régénérer le mieux possible, on devrait dormir dans sa propre aura, donc seul. Voilà. Parce que sinon, on dort dans l'aura, quand on dort dans un couple, on dort dans l'aura de l'autre. Bon, si ça va très bien, tant que ça va très bien, à la rigueur, bon, on est très influencé par le couple, parce qu'énergétiquement, on recharge ses batteries avec celles de l'autre aussi. Mais. Normalement, pour disons, c'était toujours une obligation économique.
on a toujours vu de tous les temps, quand on avait les moyens, ben, alors on a des grandes maisons, des grands appartements et chacun avait sa chambre. Et tandis que quand on n'a pas beaucoup de moyens, ben, on a des petits espaces, des petits appartements, puis on dort ensemble parce que, voilà, au départ, c'était pour ça. Et ici, on revient à ce cas-là. En fait, c'est important que la maman comprenne pour que son fils puisse trouver un épanouissement. Il ne doit pas avoir peur de le laisser fonctionner tout seul, y compris parfois avoir certains problèmes et être confronté à certaines situations, parce que c'est justement comme ça qu'il va enfin prendre son indépendance. Ça fait partie de l'éducation aussi, ça. C'est pas facile pour les parents, mais que les parents acceptent que les enfants aient mal, se trompent, se blessent, fassent des conneries entre guillemets, c'est comme ça qu'ils vont apprendre. À toujours vouloir leur éviter n'importe quoi, on les castre entre guillemets. Donc c'est important de, on peut aimer, mais en laissant aussi à l'autre toute sa place pour exister. Voilà, c'est tout. Mais comme c'est une entité qui est assez indigo pur, c'est normal que ce Vincent a besoin d'espace, de se retrouver seul, sans les autres, et qu'on vient trop le piétiner. Je vois bien qu'il a un monde de l'enfance assez importante, et en même temps adulte sur autre chose. Il a une élévation assez importante au niveau astral, bon, qu'il ne s'est pas rendu compte, ou peut-être bien par des ressentis intérieurs. Bon, je ne vais pas rentrer dans la discussion des indigos. On a déjà parlé, mais peut-être bien on va y revenir un petit peu plus tard. Et alors voilà, tu as un mot à dire, Willis ? Certainement, merci. Oui. Alors, voilà ce qui me vient. Je vais être assez terre à terre, si vous le permettez. C'est sa manière de dire « marre ». J'en ai marre, je te l'avais pourtant dit. Je te l'avais pourtant bien dit. Donc ça veut dire qu'il y a une personne très proche de lui qui a été, entre guillemets, embobinée, enjolivée, quelque chose qui était intéressant, et lui avait perçu que c'était, on va dire comme ça, si vous me permettez l'expression, un coup plus ou moins foireux, quelque chose qui n'était pas sain. Il l'avait dit à sa manière et personne ne l'a écouté. Et il a fait en sorte de dire à sa manière à lui, j'en ai marre, on m'écoute pas, je te l'avais bien dit. C'est quelqu'un qui a une évolution pas expansive, mais honnête. Et ça, plus tard, ça va lui donner une grande force. Et il gardera en lui ses jugements. Des jugements bien faits, bien clairs, bien honnêtes. Et c'est pour ça que, si on comprend ce que je veux dire, il y a eu quelque chose, un événement intéressant, où les gens étaient emballés, et lui est resté relativement méfiant. Il avait prévenu, probablement avec des sous-entendus, son système à lui, mais il avait raison. En fait, c'est quelqu'un de très clairvoyant. Hein. Il est clairvoyant. Est-ce que c'est quelqu'un d'extrêmement aussi méfiant, hein? Il a une méfiance à l'intérieur de lui qui fait en sorte qu'il flaire quand même les mauvais coups. Et ça, c'est pas négligeable dans les prochains temps. Voilà. Je ne sais pas si c'est sur le chat ici ou quoi que ce soit, c'est pas grave. C'est simplement ce que je voulais dire sur quelque chose qui est dans le courant de sa vie, qui est assez important. Je dirais qu'il a raison de ne pas se faire leurrer. C'est tout à fait normal parce que dans la position qu'il est, forcément, comme il a un amour profond et un amour indigo, les gens viennent l'embêter dans son espace parce qu'il a un amour et on vient dessus comme une éponge. Et lui, quelque part, ça l'agresse et forcément, quelque part, ils se sont agressés.
Et forcément que les gens qui l'entourent de lui, il y a beaucoup de vampires, ils sont en manque d'amour, et que lui, il est un amour profond, qui viennent dessus comme une sorte de pompe à essence. Ils viennent se carburer dessus. Alors forcément, quelque part, ils se sont vidés, et parfois, ils trouvent des ennuis, mais c'est parce qu'ils n'arrivent pas encore à se protéger. Ils viennent chez lui comme dans une pompe à essence. Les gens viennent se régénérer, et puis ils s'en vont. Et les autres lui laissent comment est-ce qu'on va dire, leur peine, et lui, il prend tout sur lui. Voilà, t'as tout compris. Mais ça, c'est toujours hein, quand on est face à des personnes plus évoluées, à la rigueur, c'est pas volontaire de part et d'autre, mais évidemment, les personnes que j'appelle une vibration plus basse vont aller, comme tu dis, se servir la pompe à essence d'une personne plus élevée, et l'autre, et en fait, ils ne savent pas donner autre chose que ce qu'ils ne sont eux-mêmes. Donc, il y a un échange d'énergie et effectivement, il y a un déséquilibre. À partir du moment où la personne plus élevée, elle peut toujours donner, mais ce qu'on lui donne, ce n'est pas bon pour elle parce que c'est énergie trop basse. Et c'est la raison pour laquelle, plus on évolue, plus on est clairvoyant et sensible, plus on a besoin de s'isoler, de pouvoir se régénérer tout seul et tranquille et sans toujours avoir quelqu'un parce qu'on a besoin de se régénérer soi-même ou avec des personnes qui sont sur le même taux vibratoire. Et ça, on peut seulement les trouver soi-même. Et c'est sûrement pas. Et parfois, je ne sais pas, les gens veulent peut-être trop bien. Enfin, ils sentent que cette personne donne quelque chose que eux peuvent pas rendre, alors ils veulent donner autre chose, et finalement, on fait pire que mieux. C'est important d'accepter comme ça que chacun est vraiment ce qu'on peut appeler son territoire énergétique. Voilà. Je propose qu'on passe à une autre photo, bien sûr. Photo du dessus, la puissance, celle de Nadia du bois d'Enghien. Bon, bien sûr, c'est pas une photo récente. Elle a été postée il y a 2 heures. Est-ce que la personnalité est en ligne ici? Ou pas? Oui, c'est moi, Ariane. Ok, il me semblait bien, parce que je... Oh, oui, très très bien. Disons que bon, par rapport à cette personne-là, je vois bien que c'est une personne qui avait beaucoup de caractère, mais beaucoup de douceur, mal compris. Et même si elle n'a pas su dire ou faire les choses comme elle devait, c'est une question de structure d'éducation qu'elle avait. La discipline dans son temps était autrement de celle d'aujourd'hui. Et même si elle a été très dure, c'est la façon qu'elle-même pensait être comme ça. Des générations en générations, on transmet toujours l'éducation comme on l'a appris. Mais on ne se rend pas toujours compte de la psychologie, du comportement qu'on le donne. Et c'est vrai que bon, que c'est une personne qui a fait déchirer beaucoup de cœurs, comme elle a aussi rendu des cœurs joyeux. Mais c'est une personne en même temps qui cache son individualité. C'est une personne qui est renfermée au fond d'elle-même. Elle ne montre qu'une façade, mais pas son véritable intérieur. Tu as été marqué par elle, au fait? C'est ma grand-mère maternelle. Mais ça, je l'avais compris, mais c'est possible. C'est bon. Ouf. Non, évidemment, comme vous savez, c'est l'heure où. Il y a eu un changement de bruit tu peux alors. Continuer, Ariel, bien sûr. Non, je dis, mais par rapport à ta grand-mère, bon. Je vois que par rapport entre vous deux, il y avait un approche, en même temps un écart. Je vois qu'avec toi, elle a été même absente. Il y a un absentisme de sa part au niveau de la communication, au niveau du parler. C'est vrai qu'à l'époque, on était fort réservé, on ne parlait pas comme maintenant. Beaucoup de choses. Mais c'est pas que c'était une femme qui était fort timide, elle était simplement réservée. Elle n'avait pas l'habitude de parler ce qu'elle ressentait.
elle considérait ça comme des interdits. Et alors, par rapport à toi, bon, je comprends que tu puisses, à la limite, faire un travail de pardon au fond de toi, en te disant que, bon, elle a fait ce qu'elle a pu être. Si elle savait ce qu'on... Enfin, comment est-ce qu'on dit ça? On ne se rend pas toujours compte au niveau affectif ce que les parents ou grands-parents doivent donner à leurs petits-enfants ou à leurs enfants. Et comme je vois que c'est une personne qui, dont le niveau d'amour est assez restreint, elle se protégeait. Elle avait peur de donner un sentiment. Elle avait peur de dire le mot je t'aime. Elle aurait quand même pu faire. Bon, elle aurait quand même pu faire. Elle, je sens qu'elle a eu des moments où elle aurait pu agir bien. Comme si dans son destin. Enfin, je ressens qu'elle dans son destin, elle l'a ressenti par le devant intérieur quand elle pouvait agir bien. À tout moment, mais elle a toujours refusé parce qu'elle avait peur de ça. En fait, ta grand-mère avait des perceptions comme toi, tu les as, mais qu'elle, on va dire, par les phases religieuses catholiques, elle, bon, c'était comme considéré comme tabou. Oui, à vrai dire, c'est pour ça que j'ai mis la photo. C'est un peu pour savoir si les énergies ont été transmises par le lien maternelle comme ça, de cette lignée. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est comme ça dans toutes les familles. On transmet toujours une grande partie de génération en génération, les énergies, tout le côté caractériel, tout le côté spirituel et la partie humaine. Mais tu as en toi une partie d'elle-même que tu dois... Comment est-ce que je veux dire ça? Ça, c'est un petit peu spécial. Entre elle et toi, il y a une communication qui doit se faire entre là où elle est par rapport à toi. Tu as un travail à faire par rapport à ce qu'elle a transmis pour couper ces liens karmiques. Ces liens éthériques. Vous avez entre vous deux des liens éthériques que vous vous êtes transmis. Et par le nombre que vous êtes forcément, elle a transmis ces qualités-là. D'une façon exhaustivement dans sa façon d'être. C'est pas des liens karmiques, ce sont des liens éthériques, pardon. Ce sont des liens éthériques à couper. Et c'est ce qui vous empêche un petit peu de vous-même avancer. Je pense que tu es dans le degré de couper les liens karmiques, les liens éthériques. Je pense que tu sais comment on fait. Oui, tout à fait. Voilà, tu le fais comme ça ainsi. Alors voilà. Tu as quelque chose à dire, Willis? Sinon, la prochaine photo. On va parler de la photo de Vérité l'Armor. Merci, Ariel. Ah ben, écoute, si tu as d'autres dires, tu le chat ici ou alors en... sur la photo en dessous de la photo de la grand-mère pour avoir plus de détails. Voilà, ça répond plus ou moins à toutes tes demandes. Oui, je voulais, parce que justement j'ai fait un travail, si tu veux, de libération sur les générations et sur les liens qu'on a générationnels, et justement dans ce travail le lien venait de ma grand-mère maternelle. C'est pour ça que j'ai posté la photo, tu vois, pour avoir ton ressenti. Voilà. Mais c'est vrai qu'à ce temps-là, on voit bien la photo et la date. Il faut vraiment se remettre dans le contexte. C'était absolument, absolument pas comme maintenant. Effectivement, on ne pouvait pas parler. C'était entre guillemets pas à la mode. Ils utilisaient ces expressions, d'ailleurs. De parler de tout ce dont on parle, qui est devenu normal d'exprimer maintenant. C'est après les années 1980 que ça apparaît, cette façon de pouvoir exprimer tout ce qui s'est passé pour s'en libérer. C'est une notion nouvelle, ça n'existait pas du tout à ce moment-là, cette notion-là. Au contraire, c'était relativement mal vu. On considérait qu'on devait garder les choses en soi. Et voilà, mais c'est maintenant qu'on a tout ce travail à faire pour
aller chercher tout ça. Tu l'aimais beaucoup, tu as été frustrée avec cette grand-mère, qu'est-ce qu'il y a, parce que c'est une femme quand même fort, que je sens moi fort intelligente et fort lucide quelque part, un peu dure effectivement, mais... Non, je l'aimais beaucoup, j'allais régulièrement quand j'étais plus jeune, tous les 15 jours, lui rendre visite, tout ça. J'ai de bons souvenirs, mais c'est vrai qu'à l'époque, on ne se confiait pas, on ne racontait pas les histoires de famille, tout était tabou. Donc, on a rien, si tu veux. Si on a un travail à faire sur soi, un travail, lorsqu'on œuvre à se... Voilà, à faire un nettoyage karmique, tout ce que tu veux, pour les générationnels, tout ça, automatiquement, si on veut des informations... On ne les a pas parce que ces personnes de l'époque, justement, gardaient tout pour elles. Ah oui, c'est ça. Hein. C'est pareil avec ma grand-mère qui a pourtant vécu jusqu'à 101 ans. Elle aurait eu le temps. Mais effectivement, voilà. C'était un autre monde, c'est le cas de le tout dire. Et il faut reconnaître qu'on a... C'est très positif. On a beaucoup de chance maintenant, effectivement, de pouvoir exprimer tout ça, exprimer l'amour. Et quand on entend comment les enfants sont avec leurs parents... Enfin, les parents sont avec leurs enfants... Ça a quand même beaucoup évolué, beaucoup, beaucoup changé en positif, parce que moi non plus, je ne viens pas d'une famille où les parents disaient qu'ils nous aimaient, pourtant ils nous aimaient souvent, mais ça ne se disait pas, quoi. On peut être très reconnaissant à ce qui se passe maintenant, parce que ça, c'est quelque chose de très... de beaucoup plus... même si parfois, bon, c'est un petit peu superficiel et tout ça, mais sincèrement... on a la permission maintenant et on se donne la permission d'exprimer beaucoup plus son affection librement qu'on ne le faisait auparavant. Oui. Voilà. Oui, avant on gardait les secrets de famille et puis voilà, ils partaient avec leurs secrets. Hein. Oui, et ça, on ne se rendait pas compte à quel point ça faisait ce qu'on appelle le poids des non-dits, qui est terrible, parce que les conflits et les disputes, évidemment, ça a quelque chose de très péjoratif, mais le fait des secrets, les non-dits et les valises cachées créent encore parfois beaucoup plus de troubles, parce qu'il y a quelque chose et on ne sait pas quoi. À la rigueur, quand on a un obstacle ou une difficulté, que c'est objectif, parce qu'on le voit, on sait ce que c'est, mais quand on le ressent, mais on ne sait absolument pas ce que c'est, ni d'où ça vient, ni où c'est plus pernicieux comme pour le régler. Parce qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose, mais ça vient d'où. Ben voilà. Oui, mais c'est pour ça que c'est bien ce que tu fais. Ben, comme tu dis, si tu veux, on peut continuer après. D'accord. Oui, on en reparlera à la conférence sans souci si on en a d'accord. L'occasion. Mais de toute façon, pour les personnes qui... C'est certaines choses dans les photos qui voulaient avoir une réponse ou autre, qu'ils les marquent sur un papier et puis s'ils nous voyaient en salle ou dans les prochaines conférences, qu'ils nous rappellent, tiens, une telle date, on a dit ça, pour faire un rappel mémoire. Voilà, tout simplement. Oui. Mm-hmm. Parce qu'il y a des gens qui mettent une photo juste pour avoir quelques renseignements comme ça, ainsi, et d'autres qui voudraient avoir un approfondissement de la photo. Alors voilà. D'accord. Et maintenant, je vais passer à la prochaine photo. Merci Catherine, merci Hervé. Il n'y a pas de souci. Alors, la prochaine photo, c'est celle de Vérité Larmor. Elle dit ceci, bonjour, que pouvez-vous dire de cette photo, s'il vous plaît, prise au pied de la bergerie de Sainte Bernadette en juillet. Elle a été postée ce matin à 9h. Je pense pas que la personne est en ligne parce que je la ressens pas. Alors, mais disons que par rapport à cette photo-là, je dirais que cette personne-là, c'est une âme presque quasi angélique, on va dire. C'est une âme qui est très dévouée aux causes perdues. Elle a un travail à faire. C'est une personnalité en même temps fermée et en même temps s'ouvrir au monde de ce qui l'entoure autour d'elle. Vu la photo, là, forcément, avec l'appareil photo, mais ça donne cet aspect de la photo par rapport à elle, que c'est une femme qui est quand même très lumineuse, en fond d'elle-même, ça se ressent. Mais elle doit laisser sortir cette phase de luminosité encore plus grande que ça, agrandir cet amour. Elle a beaucoup apporté, elle a beaucoup apporté au niveau des pauvretés des gens. Elle a un don particulier de prendre les mains
et qu'avec ça, elle a le don de soigner. Elle est là pour soigner le feu, parce que je sens à soigner le feu. Du premier degré. Elle est là pour arrêter le feu du premier degré, les gens qui sont brûlés. Et là, elle a cette capacité énorme. Elle a aussi l'écoute, elle a même des dons de voyance aussi. Plutôt, quand je dis des dons de voyance, c'est plutôt plus des dons de médiumnité. De clairvoyance plutôt. C'est une personne clairvoyante plutôt, médiumniquement parlant. Et qu'elle aura un travail aussi bien que aider les brûlés, aider les pauvres. Et aller auprès des gens, que ce soit là où elle doit assister quand les gens doivent quitter la terre, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit ci, ça a été son dévouement depuis qu'elle est venue sur cette terre. Elle porte comme l'onction au fond d'elle-même, comme une sorte de dame bénite. Oui, elle a vraiment une très belle âme, hein, cette femme. Elle a une très très belle âme. Elle est protégée, elle est bénie en même temps. Elle aura plein de choses à faire. C'est dommage qu'elle n'est pas là. Et alors voilà. Tu as quelque chose à dire en plus, Catherine ? Non, pas particulièrement. Moi, je vois vraiment effectivement une dame qui a une grande bonté. Vraiment une bonté, une espèce de pureté dans ce qu'elle est, et une très belle âme. Et donc, grâce à ça, elle a la capacité d'aider les gens, parce qu'elle est, très pure et très... Oui, c'est ça, je ressens beaucoup de pureté, de sincérité dans le désir d'aider. Et voilà, elle est très dans le don. Voilà. On ne sait pas qui est-ce qui nous a demandé ça, sinon on peut passer à une autre, alors si elle n'est pas là malheureusement. Tu passes à une autre photo, Ariel, ou tu es partie? Ariel est partie. Oh oh. Willès est déjà parti. Ariel est parti, qu'est-ce qu'ils ont? Non, oui, il n'y a plus personne. Ah oui, mais je sais non, pas. Non, c'est un souci technique. Je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, mais... Oui, on se doute. Willa, c'est pas là non plus. Attends, alors on va lire. Attends, je vais lire 4. Mais oui, mais je vois plus rien. Attends, je vois plus. Je ne sais plus remonter dans le chat, moi. Ça bon, serait bien que les gens lisent le chat aussi. Hein. Oui, bah, l'escarbot a été piraté, oui. Je parviens pas à remonter dans le chat, moi j'ai fini. J'ai le bas, mais j'ai pas le haut. Il était tout blanc et j'ai rien touché. Quand c'est blanc, c'est parce que ça se réactualise. Ok. Et oui. Donc, effectivement, bien. J'ai pas eu l'occasion de voir. Avec si, on va te faire un copier-coller, Catherine. D'accord. Bien, on va passer à la photo suivante. C'était prévu, bien sûr. Oui, bien sûr. Et on essaie de faire notre possible, et on sait déjà qui c'est. Et on a fait des copies d'écran aussi. Ah, est-ce que c'est là okay. Il y a une personne qui demande, je pense que j'ai raté ma photo. C'est la personne qu'on vient de faire, c'est Ali Amandine. C'est de la personne qu'on vient de parler. Oui, ah oui, d'accord. On a dit plein de choses super sur toi et t'étais pas là. C'est malin, ça, tu devais pas les entendre ou quoi. Mais de toute façon, je vais encore une fois le répéter. Je dirais que par la photo, bon, elle-même, c'est une femme dont l'âme est très lumineuse. Elle a plusieurs rôles à jouer. L'accompagnement des personnes décédées en maison, que ce soit en hôpital ou dans les hospices. Elle a le don d'arrêter le feu. Ah, mais attends, apparemment c'est autre chose, Ariel, je vois. C'était sur la photo d'Ellison Kevin. Attends, faut savoir de quelle photo on parle là, parce que
Si ça tombe, on n'est pas sur la photo. Je parle toujours de la photo de Verity Larmor. Alors demande un petit, lis un peu sur le chat si c'est bien ça, parce qu'on m'a, il semble qu'il y a un malentendu. Parce qu'on nous dit c'était la photo Alison Kevin. Ça on a. Ah oui, mais ça on a parlé assez bien. On faudra redemander après. Alors Alison Kevin, c'est la première que tu as fait. Attends, je regarde un petit peu plus bas. Oui, parce qu'on a parlé assez longtemps là. On va peut-être faire les autres et alors on verra après. Ben oui, bon, disons que chaque, si les personnes pis, même voilà, oui. Si les personnes au cas où on ne voit pas photo, rien ne les empêche de remettre. De réécouter la conférence, voilà, parce qu'on en a parlé. Alors comme ça, on peut les faire toutes, voilà. Alors on va chercher les autres photos là maintenant. Attends, hop. Voilà, maintenant Verity Larmor, je l'ai déjà dit parce qu'elle n'est pas en ligne. On voilà. Celle de et alors on va remonter. Celle de Josie Avargues. Ah oui, elle est chouette celle-là. c'est une très bonne personnage, à la fois caractérielle, parfois trop confiant, parfois pas trop assez. Elle a des connaissances de voyance qui sont très bien. Elle a un très bon canal. Rien qu'à la façon qu'elle met ses lunettes, c'est déjà une façon distinctive d'un maître. Enfin, c'est une façon de. Enfin, quand je dis maître, un peu cette forme d'être mis comme un maître, c'est parce qu'elle a une maîtrise au fond de même qu'elle doit réactualiser et se mettre à jour de ce qui est des nouvelles énergies pour elle-même, parce qu'elle reste trop castrée à des anciennes énergies spirituelles qui ne sont plus à jour. Il faut se dire que les personnes qui ne sont pas en, on va dire, dans la forme d'aujourd'hui des énergies peuvent souvent avoir des problèmes parce qu'ils ne suivent pas le côté rythmique, on va dire, de l'évolution qu'il y a dans les énergies dans le ici et maintenant. C'est important. Je pense pas que la personne est en ligne. Non. Alors, disons que par rapport à elle-même, bon, c'est une personne en même temps qui doit veiller sur elle-même. Prendre connaissance que, de toutes les angoisses qu'elle peut avoir au moment voulu face à son entourage, parce qu'elle prend, elle prend beaucoup sur elle-même. Elle doit faire attention aussi aux parasites autour d'elle-même, parce qu'elle a tendance à faire le trop, le amen quand les gens ont besoin d'elle. Il y a des gens qui profitent sur elle, elle doit faire attention à ça. Elle donne trop un surplus que parfois. Quand même si elle est fatiguée, je comprends qu'on peut être personne, qu'on a envie d'aider quelqu'un, même si on est fatigué, on peut être fatigué, on fait tout pour l'aider. Ça, je comprends très bien, comme dans tous les corps de métier. Alors voilà, tu as un autre mot à dire, Catherine ? Non, je vois que c'est une personne qui, au fond, a beaucoup de. Qui peut être très gaie, très joyeuse, et très, elle a un regard comme ça malicieux. Un petit peu. C'est quelqu'un qui doit bien aimer s'amuser. Voilà, je suis de retour. On a eu un petit problème. C'est que, une fois que Pascal Dim a été évacué, moi j'étais évacué, un autre a été évacué, et les deux autres mails, celui d'un ami à moi et moi, ont été sabotés également. Donc je ne sais pas comment ça se fait, si c'est une histoire d'IP ou quoi. Et ce matin, on a eu la même chose au bureau. Donc je trouve ça un peu bizarre, mais enfin bref. Et apparemment, c'est du côté de mon PC et celui d'un ami qui est sur la conférence ici. Donc je pense qu'on a été chipoté à gauche, à droite, un peu comme tu as eu, Catherine. Et je n'ai plus de boîte. Moi, ça venait de la Côte d'Ivoire, notre. C'était un peu plus loin l'origine. Ouais, je trouve ça un peu bizarre. On pense savoir d'où ça vient et t'inquiète pas, Jean-Carbo, on va regarder voilà. À ça. Enfin, désolé, mais j'ai téléphoné à un ami, il me dit, écoute, j'ai la même chose que toi, et il a plus, lui, enfin, il a deux boîtes hotmail, il n'a plus les deux autres. Et moi, j'ai plus la mienne pour le moment. Enfin, bref. Et c'est bizarre parce qu'au moment où on a banni
quelqu'un, ben, 5 minutes après, c'est tellement bon. Il faut absolument, si tu veux, en parlant de trucs techniques, oh ben finalement, je peux l'annoncer à tout le monde, ça sera pas mal pour lui. J'ai quelqu'un de vraiment bien qui m'a bien aidé et qui aide les gens en ligne. C'est-à-dire, il prend la direction de votre ordinateur et il peut faire ses nettoyages parce que ça a été bien utile, la traque informatique. Chez moi, ça a duré pas moins de 6h30. Parce qu'effectivement, il récupérait chaque fois. Je suis assez embêtée d'ailleurs. Heureusement que je l'ai renvoyé qu'un chapitre. Parce que donc, c'est des gens qui récupéraient. Enfin, à moins que ce soit autre chose. Mais dans mon cas, c'est des gens qui récupéraient absolument tous mes mails et tout ce qu'il y avait dedans. Donc, ils peuvent voler tous nos. Tu en étais où donc ? Voilà. On va. Voilà. On va. Vous en étiez où ? On était à la photo. On parlait de la. En fait, on a parlé tout à l'heure de la photo, celle de Nadia Dubois d'Anguien. On a parlé tout à l'heure. Et que je t'avais même demandé ce que tu en ressentais, mais à ce moment-là, je ne t'entendais plus. Alors forcément, on est passé par le suivant. Puis on a parlé de Vérité L'Armor. Et maintenant, on est en train de parler de Josie Avargues. Maintenant. Donc moi, j'ai fait un commentaire dessus. Donc Catherine a fait un commentaire dessus aussi. Je cherche après. Elle est juste au-dessus. C'est une dame blonde avec des petites lunettes. Voilà, c'est une dame qui est intéressée par ce qui est, je dirais, une certaine forme de mystère. Elle essaye de percer des choses et de comment je dirais, de foncer. Au-delà de sa vie, je veux dire qu'elle a ses occupations, je veux dire, j'arriverai à le dire, habituelles, mais elle veut passer au-delà de tout ça pour trouver un univers et faire partager un univers qu'elle a autour d'elle dans le monde un petit peu fantastique et paranormal. Mais je viens de me reconnecter et je m'excuse 2 minutes parce que j'ai un mail ici sur ma boîte professionnelle qui me confirme que on a bien été usurpé l'IP. Voilà, enfin bref. Voilà, donc voilà, je vous laisse continuer un petit peu ce que vous aviez à dire. Sur une autre photo peut-être. Oui, on passe à la suivante, celle de maintenant de Marie-Rose le note. OK, je vais voir. C'est juste au-dessus. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il y a un contrôle SPF Justice en ce moment même. Voilà. Alors, voilà. Donc, je vais chercher la photo. Tu m'as dit Celle de Marie, de Marie-Rose, le note. C'est plus haut ou plus bas ? Juste au-dessus de Josie, juste au-dessus de Josie Avargues. Elle est entre Claudine L'Enfant et c'est celle qui joue comme un théâtre. Dont elle marque, pourriez-vous me dire ce que vous voyez derrière moi lors d'un spectacle de musique? Moi j'ai Claudine L'Enfant et ah oui, attends, non, j'étais beau. Parce qu'il y a 2 fois la même photo, en fait. Alors, en attendant que tu la trouves, je vais quand même commenter la photo. Disons que par rapport à Marie-Rose, bon, vous savez que le prénom merci familier, parce que généralement, je le dis beaucoup, ceux qui portent ce prénom-là. Les personnes qui portent le prénom de Marie-Rose, si on fait l'anagramme de Marie, ça veut dire aimer, A-I-M-E-R. Et Rose, en faisant l'anagramme, ça fait oser aimer. Ça fait déjà dire beaucoup de choses, d'aime oser aimer. Parce que je vois bien que c'est une personne qui a du mal à aimer, pas ce qu'elle fait, mais à aimer les gens autour d'elle, dans ce qu'elle n'aime pas entendre. Et des vérités qu'on lui dit qu'elle ne supporte pas. Et qu'elle doit apprendre aussi par un moment à apprendre à ouvrir son cœur et faire la part de différence entre ce qu'elle peut entendre et quelque part, même si elle n'a pas entendu les vérités, on va dire un peu avec le libre arbitre de prendre écoute
et laisser venir un petit peu ce que les gens ont à lui dire. Elle a tendance à être un petit peu trop dans sa bulle, trop enfermée, il n'y a que elle qui compte. Mais ça c'est une question de problématique, des sentiments, comment dire ça là, quand les gens se mettent trop en supériorité, elle a ses bases inférieures qui sont problématiques, donc elle met tout au-dessus. Et quelque part, le problème en bas, c'est-à-dire le problème d'affectivité qu'elle a en bas, elle essaie de les démontrer sous une certaine forme de, comme elle peut montrer dans le théâtre. Mais c'est une personne qui peut, même au niveau du théâtre, elle peut aller très loin, mais bon, je ne vois pas de très grands éloges professionnels médiatisés. Mais c'est une femme qui doit prendre soin d'elle-même. Je sens que des énergies partent de trop. Il y a des énergies qui partent trop loin. Et elle a tendance un petit peu trop à se vider. Elle a quand même... Oui, vas-y. Oui, vas-y. Moi, je dirais que c'est quelqu'un qui donne, mais on lui rend jamais, quoi. C'est quelqu'un qui veut s'épanouir dans la vie... Et chaque fois, on l'aide pas véritablement. Et la photo est très représentative parce que ça prend en même temps, et ça c'est bien, ça prend mes mots et ça prend un petit peu sa vie parce que regardez bien la photo si vous voulez bien. Pour une fois, ce soir, on a la photo et le commentaire. Observez la photo. Ça va vous servir de test en même temps. Regardez que quand je disais tout à l'heure qu'elle donne, elle ne reçoit pratiquement jamais. Regardez son attitude. Elle se tient avec fierté parce qu'elle donne. Et les gens qui sont lui tourne le dos. C'est assez représentatif dans le sens que on lui rend pas l'appareil. Mais le visage exprime, malgré que c'est lors d'un théâtre, le visage derrière le maquillage exprime aussi une certaine force, une fierté de dire ça ne fait rien. Je tiendrai la barre. Donc je me sers de la photo de cette personne pour exprimer non l'acte qu'elle fait dans le théâtre, on va dire ça comme ça, mais c'est l'expression aussi de ses sentiments intérieurs. Et c'est ça qu'elle peut jouer avec une certaine énergie qui ne peut peut-être pas reconnue, mais qui a le droit d'être reconnue. Et c'est quelqu'un, le sourire est présent, là, malgré la photo. Le sourire est là, la force est là. Il y a des petits oiseaux autour d'elle. Et quand je dis des petits oiseaux, c'est des choses très intéressantes qui la font vivre, qui la font un petit peu rester à la surface des choses. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais je me suis dit, je vais prendre la photo pour expliquer ce que je dis. Je ne sais pas si tout le monde m'a compris. Très très bien. Est-ce que sinon je mets l'extrait de Funès quand il nous explique la tarte au fun il dit mankind. Ouais, ce que je veux dire. Donc oui, très très bien. Moi je peux pas m'empêcher de dire des bêtises en général, c'est comme ça que je suis. Mais voilà, c'est ça que je voulais exprimer. Voilà, je vous laisse continuer. Est-ce que tu as un mot à dire, Catherine? Vous parliez bien de la personne qui est en bleu, parce que j'ai parti 5 minutes, la personne qui est sur un fond bleu et qui est au théâtre. Oui, c'est ça. Oui, effectivement. Mais, de toute façon, c'est vrai que ce que tu as dit, Vilès, de toute façon, le fait de choisir telle ou telle photo donne déjà des indications sur la personne, parce que sinon, on en choisit une autre. Et souvent, effectivement, ça exprime... Mais moi, j'ai pas vu tout ça, mais effectivement, une certaine fierté, l'air de dire... Moi...
pensez ce que vous voulez, moi je fais ce que je pense ou ce que je suis, voilà. Voilà. Tu as pensé ce que j'ai ressenti aussi. Mais... Est-ce qu'on passe à une autre photo ? Oui. Oui, celle de Claudine l'enfant. On et peut mettre la mienne, hein, j'ai mis un poisson rouge dans un bocal. Dans quelle photo tu disais ? Celle de Claudine l'enfant. À l'avenir, évitez de mettre des, des crayons dessus, comme Ducal l'a dit, évitez de mettre des crayons parce que ça peut jouer, même si vous voulez donner des expressions dessus, mais évitez de mettre des crayons dessus parce que quand même on le verra d'une façon ou d'une autre. Oui, c'est si pas, vous voulez faire des petites remarques, ou alors vous le marquez en dessous, voilà, vous le marquez juste en dessous dans la communication de la photo, telle chose ou telle chose, mais évitez de faire ça à l'avenir. Ok, voilà. Vas-y Ariel, à toi. Bien, de toute façon, bon, par rapport à Claudine, je pense pas qu'elle est ici, en ligne. Est-ce qu'elle est en ligne? Je pense pas. Si, voilà, Claude. Alors, disons que par rapport à toi, bon, je vois bien que tu as des symboles sur toi. Ce sont des symboles d'activation en toi, ce sont des clés qui vont te permettre d'ouvrir des dimensions en toi. Au fait, tu as sûrement eu il y a quelque temps des vibrations, des énergies qui te sont venues à toi et que tu n'arrives pas toujours à les comprendre. Et que quelque part elles te font peur, mais en même temps elles t'attirent, et en même temps elles te font fuir. C'est normal parce que maintenant tu rentres dans cette énergie de maintenant, depuis le 21 décembre, et que forcément tu fais partie de cette énergie-là. Et alors, tu dois aussi essayer d'apprendre aussi à mieux dialoguer. C'est rien, c'est le chien d'Alex. Ouais, mon micro qui est au minimum. Allez, on continue. Alors, par rapport... J'ai déjà dit au chien d'Alex. Non, par rapport à elle, elle a une vibration quand même assez importante qu'elle doit prendre attention. Je vois quand même qu'il y a des animaux autour d'elle qu'elle aime bien. Et que ces animaux-là sont des chiens qu'elle aime très fort. Et que tout son amour intérieur qu'elle a, que c'est une vibration qu'elle a, elle doit attendre que tout se mette en place par rapport à elle-même. Elle doit prendre aussi même des décisions face à sa vie intime aussi. Elle doit se choisir logiquement elle-même parce que je ressens que elle ne peut pas évoluer dans les vibrations qu'elle est autour d'elle. Je vais m'expliquer ça différemment. Quand les personnes vivent des expériences, quand une personne, que ça peut être l'épouse, l'enfant ou le mari d'avoir un incident, souvent les vibrations deviennent de plus en plus fortes, on peut souvent devenir parfois dangereux ou les gens peuvent être dangereux pour la personne qui évolue. Parfois dans les deux sens. Alors je ne dis pas qu'elle doit quitter toute sa famille pour se trouver à elle-même, mais elle doit se concentrer à elle-même, à ce qu'elle a à faire. Une part pour sa famille, une part pour elle-même. C'est un peu comme Catherine, ce qu'elle a dit tout à l'heure. Je reprends. Parfois, quand il y a des énergies trop fortes, ça fait du bien d'un moment de dormir tout seul face à côté de quelqu'un qui dort à côté parce que parfois, on se laisse absorber par des énergies. Et elle, enfin, hors du lit, elle est trop absorbée par des énergies qui lui sont pas bonnes parce qu'elle a trop tendance à mélanger ses circuits face aux autres, ce qui n'est pas bon. Elle doit apprendre à se mettre dans une bulle par rapport aux autres parce que ces personnes-là ne sont pas encore connectées à cette vision intérieure que tu as. Je ne sais pas si ça répond à ce que je dis. Mais alors il y a un petit souci, c'est qu'en fait cette photo-là, donc avec les ronds bleus,
elle est posée par deux personnes différentes. Alors on ne sait pas trop à qui on parle et de qui on parle. Il y en a une, c'est sur le... Attendez, je vais reprendre le truc parce que ça prête à confusion. En fait, il y a Claudine L'Enfant qui a posé une photo en disant « Notre Josie est aussi remplie d'âme ». Et cette même photo, elle est reprise plus haut par Josie Alvarez elle-même. Alors, c'est qui est quoi? Donc, on parle bien de la photo de Josie parce qu'il y a deux personnes qui demandent à propos de cette photo. Mais moi, je parle, attention, ici, j'étais en train de parler de Claudine L'Enfant, hein, depuis tout à l'heure. Mais alors, c'est pas celle la photo. Celle de Josie Alvarez. C'est des grands ronds bleus. Parce que c'est pas... Non. Josie Alvarez, ça c'était en dessous, avec la dame avec ses lunettes en dessous. Oui, non, bon. Mais il y a... Tu as bien dit tout à l'heure, il faut éviter de mettre des marquages au crayon. Donc, c'est bien ça, oui. Il y a une photo, mais on ne sait pas de... Je crois que c'est la photo de Josie, mais c'est Claudine L'Enfant qui a fait la demande. Parce qu'effectivement, Claudine L'Enfant, oui, c'est une toute autre personne. Parce oui, c'est notre Josie est aussi remplie d'âme. Oui, c'est juste, je me suis trompé de... Voilà, donc on parle de... Alors, je ne sais pas de qui tu parles, si tu parles de Josie ou bien Claudine L'Enfant, qui est très différent. Non, je parle de la photo elle-même. C'était pas ça, enfin bref. Non, je parle de la photo elle-même, même si je me suis trompé de nom. On parle de Josie, finalement. On parle de Josie, oui. D'accord. Avec les trois ronds. Bleu. Oui, c'est ça, voilà. Exactement. Mais c'est pas Claudine. Je t'ai perturbé parce que on parlait de Claudine L'Enfant en disant que c'était elle, mais en fait, non, c'est pas. C'est bien Josie, cette dame. Voilà. Et est-ce qu'elle est ici? Elle est avec nous? Oui, mais elle est là. Ah oui, voilà, c'est ça. Ben, disons que bon. D'accord. Je vois bien que c'est une personne qui a beaucoup d'entités autour d'elle. Bon, je peux comprendre ce qu'on voit à travers les marques de photos. Mais c'est une personne qui est marquée. On aurait dit comme si on lui aurait mis comme un cachet dessus, qu'on ne doit pas la toucher. Elle est, en fait, ce ne sont pas des marquages négatifs, mais ce sont des marquages positifs. Elle est protégée par des structures de lumière qui fait quelque part elle est protégée, par des sources sûres. Elle est entourée de d'âmes autour d'elle, des défunts qui essaient de rentrer en communication avec elle, qui essaient de s'approcher à elle, mais avec toute la situation qu'elle vit dans sa vie privée, elle ne peut pas faire face à tout le monde. Mais je sens que des âmes veulent rentrer en contact avec elle et l'aider entre les deux mondes, entre la face astrale et la face terrestre elle-même. Et quelque part, quand elle a un temps à elle-même de dire « Tiens, je vais m'occuper de l'astral, parce que l'autre côté, on me veut de moi », elle peut prendre un bic et un papier et laisser aller sa main parce qu'elle peut avoir des écritures un peu à la fois mi-inspirées, mi-automatiques. Si elle n'a pas encore ça, ça va venir parce qu'il faut le temps que maintenant, que toute l'énergie qu'elle a reçue, que ça s'installe au niveau du côté humain et que les choses, qu'elle prenne attention à ce qu'elle va avoir positivement dans sa vie de tous les jours. Voilà. Tu as un mot à dire, Willis? Non, j'avais déjà parlé de la photo de Josie Avarquez tout à l'heure. Moi, j'étais en train de regarder celle de Claudine L'Enfant. Ah voilà, oui, on va passer à Claudine. Allez. Le monsieur à carreaux. En chemise à carreaux. Monsieur à carreaux. Attends, là on est avec Nadia. Ah oui, d'accord, voilà. Ah ben non, c'est pas celui-là. C'est la photo juste au-dessus. Ah oui, d'accord. Je commence par cette photo-là de ce monsieur. Bah, oui, sans problème. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors bon. Bon, par rapport à ce monsieur. Parce qu'il me dit, je sais, c'est qu'il moi, il m'a demandé si c'est qu'il peut bien. C'est monsieur qu'on le fait pour moi, je m'en occupe. Mais de toute façon, bon, cette personne-là a besoin d'énormément d'être aidée, d'être appuyée et d'être secondée. Il a des phases qui ne peut plus continuer à lui-même de ne pas s'en sortir tout seul. Et si cette personne continue à se laisser aller comme ça,
je vais pas dire la suite, c'est ce que je veux dire. Sinon, si cette personne reprend un petit peu de sortir, de s'amuser, parce que je vois bien que c'est un adulte très très enfant. À la limite, avec lui, faire des choses d'enfant. Je ne vais pas dire jouer au ballon avec lui, mais bon, mais faire des choses d'enfant avec lui, qui va un petit peu le ramener dans son corps avec son enfant intérieur. Son moi affectif est atteint. Là, il a une déstructuration de son moi affectif. Il est déchiré par différentes phases dans sa vie, de sa jeunesse, qui fait que son moi affectif, ses peurs, ont fait que il a perdu, je vais pas dire le goût à la vie, mais on aurait dit comme un, je vais pas dire comme un mort vivant, un peu comme quelqu'un de gris au fond de lui. Pas de quelqu'un de aigri, je dis quelqu'un de gris. Il a, je vois comme quelqu'un qui, comme si son âme, lui, voudrait le fuir et son âme qui voudrait aller le chercher. Il y a cette dualité entre sa contrepartie et lui-même. Et il y a un fort désaccord avec lui-même, ce qui fait que quelque part, c'est ce qui lui crée des problèmes physiques et mentaux par rapport à lui-même. Mais en même temps, il a une très grande sensibilité, il a aussi des qualités extrasensorielles. Je crois que j'ai l'impression qu'il voit les âmes. Je ressens qu'il voit les âmes. Je ne sais pas si Claudine est là, en ligne. Est-ce que cette personne voit les âmes? Est-ce qu'il a des capacités de ressentir ce qu'il n'ose pas en parler? Alors ça, il doit apprendre à les exprimer. Et c'est vrai que quelque part, entre ce qu'il est au fond de lui à la réalité, il a l'impression d'être comme un fou. Or que ça, il doit arrêter. Je sais que beaucoup de personnes qui vivent des moments de paranormal, que si même si les gens autour de nous nous prennent pour des fous, nous prennent ça, il ne faut pas tenir compte de ça. De toute façon, face, même que ce soit les lectures akashiques, de nos jours, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui l'ont de plus en plus. Parce que l'ouverture akashique se fera de plus en plus fort. Alors voilà, tu as quelque chose à dire, Catherine? Oui, en fait, comme ce monsieur, effectivement, a gardé un grand côté enfant, il a effectivement aussi gardé ce côté de capacité d'ouverture et de capter des choses particulières. Mais c'est vrai qu'il est très vulnérable, très fragile, très fatigué. Il se sent vraiment pas bien, là. Il est... Oui, il se demande ce qu'il fait là, physiquement et tout ça. Et pourtant, effectivement, il a des dons, il a ce côté... Et c'est à côté de son... grâce à son côté enfant qu'il a toutes ses perceptions, mais elles sont pas intégrées dans sa vie. Et comme si... C'est quelqu'un qui ne sait pas s'assumer lui-même, vraisemblablement. Je ne sais pas dans quelle situation il est. Mais c'est clair qu'il ne se sent pas capable de vivre tout ça. C'est parce que justement parce qu'il a, il n'a pas fait assez, je veux comprendre, moi aussi je suis passé par là, il n'a pas fait assez d'ancrage. Il n'ancre pas ce qu'il est. C'est pour ça qu'il a une vraiment resté enfant, il n'est pas du tout passé à l'âge adulte, psychologique, quelque part il n'a pas voulu la refuser. Et alors évidemment dans la vie, il ne trouve pas sa place, oui. Ça ne sert à rien de s'inquiéter, hein, parce que bon, s'inquiéter, ça aide jamais les gens. Il faut l'aider comme il est, mais c'est vrai qu'on ne peut pas. On peut pas, non, c'est aussi le destin de certaines personnes, c'est pas facile à accepter, mais on peut pas changer. On peut leur tendre la main, on peut aider, mais on peut pas complètement transformer la. C'est toujours soi qui décidons de changer. Hein. Si la personne, pour une raison qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut absolument pas juger, qu'on ne connaît pas, parfois les gens ont un chemin de vie, on comprend pas pourquoi ils sont comme ça, mais voilà, c'est à nous aussi. C'est pas toujours facile d'ailleurs, mais ça fait partie. Du chemin aussi d'accepter les choses telles qu'elles sont et qu'on ne puisse rien y faire, même si on se trouve ça parfois triste. Voilà. Bah, disons que s'il veut se sentir un petit peu mieux avec lui-même, ça serait bien que les visions qu'il peut avoir, c'est pas important pour l'instant dans l'état où il est, mais les visions qu'il a,
qu'on puisse les permettre qu'ils puissent s'exprimer. Parce qu'il dit beaucoup de choses et les gens ont tendance à le prendre trop pour un idiot. Or qu'il est loin de d'être un idiot. C'est simplement parce que oui. Il n'a pas eu le temps d'incarner ce qu'il était. C'est son âge aussi, hein. C'est-à-dire que maintenant on peut le faire, mais auparavant, quand on avait toutes ces terres, il faut bien se dire que depuis la fin du 19e siècle, en 1900, quand on avait des dons extra-paranormaux, on était carrément interné. Hein. La salpêtrière, c'était un truc gigantesque où on enfermait les gens qui avaient des capacités paranormales. Parce que, et au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout de la folie. Puis maintenant, c'est l'inverse, les choses vont tout à fait se retourner. C'est ces capacités qui vont devenir, entre guillemets, la norme, et c'est ce qui va être la valeur. Alors que pendant longtemps, ça a été complètement refusé. Alors les personnes plus âgées dans un certain milieu qui avaient ces capacités, effectivement, comme Willis explique souvent, on se sent ridicule, rejeté et tout. Alors que c'est l'inverse. Moi, je pars toujours de l'autre principe. Je dis toujours aux gens, mais arrêtez. Vous êtes dans un monde de borgne, vous voyez les couleurs, on va pas s'excuser de voir les couleurs quand même, c'est les autres qui sont borgnes et qui perçoivent rien, c'est comme ça en réalité. Alors faut cesser de croire qu'on est idiot, qu'on se trompe, qu'on ci, qu'on là, c'est le contraire, c'est les autres qui voient rien ou qui perçoivent rien. Il n'y a pas à être gêné pour mettre les pendules à l'heure et dans le bon sens, maintenant on peut, parce que c'est ça, on a des si on a des perceptions en plus, c'est l'inverse d'être idiot, c'est justement quelque chose qu'on a en plus et pas en moins. Voilà. Mais c'est vrai qu'avant, c'était pas nécessairement facile parce qu'il y avait le poids des jugements, de la famille, de la culture et tout. Et t'as raison, Ariel, quand tu dis si cette personne avait la possibilité, on lui fait confiance, on lui donne la possibilité de s'exprimer oralement ou par un autre moyen, ça vraisemblablement, ça lui ferait du bien, ouais. C'est-à-dire que si on pourrait, c'est-à-dire que maintenant, de nos jours maintenant, beaucoup de personnes guérisseurs pourraient le ramener un petit peu à la vie au fond de lui. Ce qu'il aurait besoin, d'un profond guérisseur, le ramener à la vie en lui. Parce qu'il a tendance à aller dans la lumière noire trop loin. En plus, il a le don de traverser l'astral noir. Même le blanc aussi, mais il a tendance un petit peu trop, et ça ne m'étonne pas, j'ai le brouillard, parce que je voyais comme dans une barque, il y a une partie de lui qui est en train de se laisser aller, et l'autre qui le retient. Il a besoin et je ne m'étonne pas qu'il a besoin d'être soutenu, parce qu'il a besoin d'être ramené à la vie de ce qu'il est, il doit se ramener à la vie. Vu sa capacité énergétique, si on le ramène doucement à la vie, il va faire de très très grands prouesses, dans ce qu'il est, dans ses capacités. Mais il a un grand cœur et il est prêt à donner, à faire beaucoup de choses. Seulement, même quand il était enfant, je vois qu'on l'a bouffé. On essaie de l'écraser pour essayer de lui faire comprendre qu'il n'était pas comme les autres. Et je ne m'étonne pas l'état moral qu'il est à l'heure actuelle. Tu me confies ce que je dis, Claude? Ben voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Willis? Oui, je ne vais pas parler longtemps, parce que vous avez parlé de tout ce qu'il y avait dans sa vie d'importance et de situation. Alors vous avez demandé, est-ce qu'il y a une solution pour que une forme d'énergie simple et positive s'instaure et qu'il émerge de l'océan de l'incompréhension des autres. Alors je vous écoutais parler, tout est dans un aspect bien détaillé, positif, mais il faut une solution. Voilà ma solution à moi. Prenez un cadre en bois. Tendez sur ce cadre de la soie. Donnez-lui des pinceaux et de la couleur à l'huile. Et qu'est-ce que je voyais comme lien pendant que je regardais la photo? Trois mots. Or, peinture, ouverture.
Ça veut dire quoi? Qu'il y a de l'or dans ses doigts et qu'il doit faire de la peinture sur soi. Et s'il le fait, il y aura des gens connaisseurs qui seront intéressés par ce qu'il fait. C'est tout ce que je peux dire. Oui, oui, ça ne m'étonne pas parce que je disais bien qu'il ne s'exprime pas nécessairement. Je sens aussi. Il a de l'or dans ses doigts. Et ses doigts, c'est. Si vous voulez lui donner une chance de monter à la surface de l'océan, donnez-lui absolument un cadre en bois avec de la soie et faites-le peindre. Et quelqu'un me dit maintenant, mettez une orange devant lui, faites l'expérience. Mettez une toile de soie sur un cadre, donnez-lui des peintures et mettez une orange devant lui. Il a de l'or dans ses doigts. Est-ce que ça te parle, Claude? Faites-le. Ça, c'est la solution. La tristesse sera d'abord sur la toile, et puis son humeur positive et sa progression, vous le verrez sur la toile. Et qui va le faire ressurgir d'outre ce qu'il en lui. Il y a quelque chose, et j'hésitais à en parler, mais décidément, les symboles sont toujours présents. Vous voyez derrière lui cette affiche qu'on voit une plage avec des palmiers. Eh bien, c'est là. C'est là où il est dans sa tête. C'est comme ça qu'il voit le monde. Alors ça se met sur une toile. C'est bien ça? Alors, vogue les pirogues. J'allais dire vogue la galère, mais c'est pas bon, c'est pas le terme. Donc, vogue les pirogues. Faites-le, c'est important. Et question santé, vous inquiétez pas, il sera solide comme du roc plus tard. Vous inquiétez pas pour ça. Il y a dans ces gens-là une force terrible, une force qu'on ne peut pas voir qu'au moment où ils sont poussés à bout. Ce sont des gens qui se laissent comme des crèmes, mais quand ils sont poussés à bout, c'est des gens terribles au niveau force. Alors cette force, mettez-la dans la toile. Voilà ce que je peux dire. Vous pouvez passer une autre photo, hein. C'est vrai. Bon, voilà. Bon, en tout cas, aujourd'hui, la qualité de les photos sont un petit peu mieux. À croire qu'on est dans une meilleure variation. La première photo, c'est celle de Corinne Terra. Je suppose que Corinne est là. Corinne n'est pas là? Non. Bon. Ben, disons que c'est une personne de bon qui a traversé deux enfants. Je vois que c'est une personne bien maternelle, la façon qu'elle serre les deux mains. Je sens bien qu'il y a quelque part, il y a une très bonne égalité. Sa posture, comme elle se met, il y a quand même une personne bien enracinée dans la terre. Parce que je vois beaucoup de végétation autour d'elle. Parce que je vois des longues racines. Elle est fort proche du chêne. Je vois l'emblème du chêne au-dessus de sa tête. Mais en même temps, elle a aussi l'épée de Damoclès sur sa tête en même temps. Ça veut dire qu'elle a des phases avec elle-même à régler sur sa vie. Prendre Ariel, des choix de décision. Quelle photo dont tu parles? Celle de Corinne Terra. Il fait marquer Corinne Terra et puis en dessous merci. Avec un cœur. C'est juste au-dessus de Josia Vargas.
Enfin, je veux dire, c'est en dessous, mais quand je vais au-dessus, forcément, je pense que la prochaine fois, c'est Corinne Terra. Par rapport au monsieur qu'on vient de voir, c'est au-dessus. Tu as un monsieur, au-dessus, tu as une femme avec les trois. Il y a Josia Wiron, voilà. Et puis remarques, après, j'ai celle de Nadia Dubois. Et puis la prochaine. Bah non, moi j'ai celle de Nadia, celle-là, la prochaine, je l'ai pas, celle dont tu parles. Mais moi je l'ai. Ah bah oui, c'est toujours... c'est pas la première fois que ça arrive, ce système. Celle-là, moi je l'ai pas. J'ai celle de Nadia. Mais tu dois faire une mise à jour de la page. Avec une chemise rouge. Tu dois faire F5, rafraîchir la page. Et alors, en tout cas, ces deux enfants-là, par rapport à elles-mêmes, vont quand même rester beaucoup avec elles, parce que je vois qu'il y a des liens quand même assez on va dire une trilogie entre eux trois, entre les deux enfants, qui sont un petit peu comme des anges gardiens face à leur mère. Je dirais que, bon, par rapport à Corinne, bon, ses capacités, elle doit les agrandir. Et alors... suivre des cours de tout ce qui peut être, on va dire, parapsychologique par rapport à elle-même. Je n'ai pas dit d'étudier la psychologie, mais la parapsychologie, c'est autre chose. C'est qu'elle a quand même de très très grandes capacités dont elle peut bénéficier autour d'elle, de ces capacités qu'elle a au fond d'elle-même, à part ses dons de voyance. Tu as autre chose à dire, Willis? Non, je recherchais après la photo, mais je suis tombé sur autre chose aussi. Mais ouais, c'est ok, mais j'en avais déjà parlé avec elle. Hein. Donc, Okay. Sur la photo. Mais la prochaine photo, bon, c'est toujours... il y a juste la photo de Nadia Dubois. Juste le reflet qui est là. Le reflet n'est pas un reflet de l'appareil photo. C'est pas du tout un reflet, c'est plutôt une énergie qui passe à travers les mains de ce monsieur à travers. Comment je vois que cette énergie tourne autour de vous. D'accord. Nadia, tu es toujours là? Oui, je suis là, Ariel. Voilà, non, parce qu'en fait, par rapport à toi, cette énergie-là, elle fait un petit peu cette énergie d'anneau spirale. Même si on voit comme si on aurait été un peu comme un genre épée, on va dire, ça fait un peu comme une épée invisible. Parce que je suppose que c'est ton mari à côté. Non, pas du tout. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas. Parce que je vois qu'il a un amour profond pour toi. C'était la première fois que je l'ai rencontré. Mais bon. Parce que je vois entre vous deux, je vois que vous connaissez depuis dans vos deux âmes, vous connaissez depuis longtemps. D'accord. Même s'il n'y a pas longtemps que vous. Si tu pensais que dessus il peut y avoir un lien, oui, parce que je voudrais bien qu'il y ait une très bonne symbiose entre vous deux. Parce qu'il y a cette spirale d'amour entre vous deux, il te donne. Mais par rapport à lui, je vois qu'il a quand même beaucoup à apprendre de toi. Toi par rapport à lui. Mais là, vous devez apprendre l'un à côté de l'autre. C'était il a beaucoup à apprendre de toi, mais vous devez apprendre vous deux. Oui. C'était au sujet d'une conférence. On s'est rencontrés. Mais attends, dis rien, Nadia. Mm. C'est quelqu'un qui a appris la simplicité sur le temps. Et c'est quelqu'un qui a caché très judicieusement quelques petits coups qu'il a eu dans sa vie. Il a fait des recherches et il le partage avec les gens. Et c'est quelqu'un qui a longtemps hésité à exprimer ses véritables sentiments et ce qu'il découvre maintenant. Il est dans une passe, ce monsieur-là, au moment où tu l'as rencontré, il était dans une passe où ça confirmait tout ce qu'il avait en foi en lui, et en ce qu'il découvre. D'accord.
et il voulait absolument le partager. Et il a trouvé une manière de partager comment ? Avec des gens plic-ploc, mais des gens qui s'associent à sa manière de penser. Est-ce que ça te parle ce que je te dis ? Oui, parce que je pense qu'il avait, dans son livre, parce que c'est un écrivain aussi. Hein. Oui, c'est ça que je dis. Il avait partagé. Et une carrière, je crois, d'ancien gendarme ou quelque chose comme ça, donc très carré, tu vois. Et puis là, là maintenant, il prend le temps de partager toutes ses connaissances et ses perceptions à travers le monde, puisque c'est un Canadien, il ne vit pas ici en Belgique, il est Canadien. En fait, je savais qu'il était écrivain, mais j'ai rien dit parce que c'était trop facile avec la photo. Hein. Oui. Donc, j'ai plutôt émis la manière de la lecture de cette photo en disant que c'était quelqu'un qui découvrait à ce moment-là une forme de partage et qu'il le donnait aux gens, mais avec des gens qui s'associent et qui sont modulables avec lui. C'est ça que je veux dire. Mais il a eu des moments dans sa vie où tout ça était un superflu, quelque chose qui était pratiquement pas du tout, je dirais pas du tout intéressant, mais qui n'était pas vraiment prioritaire. Mais est-ce que tu as l'occasion d'avoir parlé avec ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il n'a pas perdu quelqu'un de très proche qui l'a fait changer ? Est-ce qu'il ne t'a pas parlé un peu de sa vie privée ? Quelqu'un à qui il tenait vraiment ? Quelqu'un de plus jeune que lui ? Il ne t'a rien... Il n'a pas parlé de ça ? Non, si tu parles d'un enfant... Des sous-entendus ? Des sous-entendus ? Je pense que ce monsieur a perdu une fille très proche. D'accord. Et ça lui a fait... Parce que je suis un petit peu... parce qu'il y a une fille qui s'appelle Joséphine. C'est un ancien nom, mais c'est Joséphine. Et elle mettait un pull léger rouge. Et elle est décédée. Elle est morte, comme je dis. Et il y a eu un temps mort dans la vie de cette personne où il y a eu un changement, il y a eu un dégoût de la vie, mais un ressourcement et une fuite. Et il est devenu à la recherche un peu de ce qui est simpliste et positif dans la vie des gens. Et il l'a acquis, il l'a géré, il veut le partager. Mais uniquement avec des gens qui comprennent ça. Oui, oui. Oui, par contre, sur sa vie privée, vraiment personnelle, je ne connais pas grand-chose. Je croyais qu'il aurait eu des insinuations. Voilà, si vous voulez, on peut... Ça fait rien, on y re... Oui, vas-y. C'était plutôt, on a fait plusieurs photos lors de cette conférence de groupe avec d'autres personnes bien sûr, et il n'y a que sur cette photo là où on voit cette lumière, et c'est pour la lumière que j'ai posté la photo, pour savoir si c'était un reflet, si tu veux, d'appareil photographique et tout, comme c'est les photos de l'invisible, je me suis posé la question, est-ce que c'est l'objectif, ou est-ce qu'il y avait vraiment cet effet d'énergie, voilà. Je vais te répondre tout de suite, c'est un effet de l'appareil photo parce qu'il y aurait un afflux d'énergie ou une concentration d'énergie sur un individu vivant. Je te l'aurais dit tout de suite, j'aurais pris une priorité. Comme par exemple une photo qui a été mise qui m'a un petit peu déconnecté de ce que nous faisons ce soir, d'un fameux lampadaire qui est là. Et ce lampadaire me dit bien quelque chose évidemment vu qu'il s'est allumé il n'y a pas longtemps. Et j'observe le lampadaire depuis tout à l'heure.
Et il me rappelle bien des souvenirs que je parlerai justement dans la page Facebook L'Échange. Et c'est la manière de la construction, justement, excuse-moi de partir un peu sur le sujet, parce que ce lampadaire me rappelle des choses très intéressantes. Mais je te confirme que le trait de lumière que tu as est dû à l'appareil. D'accord. En fait, évidemment, l'objectif est ovale. Et quand il y a un rayon lumineux, parfois l'objectif dans le rebord, tu vois, de la lentille, il fait une traînée. Par contre, si nous aurions eu le même style, mais plus droit, tu vois ce que je veux dire, latéral, je vais dire, à ce moment-là, est très droit, avec une brillance centrale, là, il y avait peut-être possibilité qu'il y avait probablement quelqu'un dans la salle qui produit des énergies positives ou qui cherche un contrôle sur les gens. Mais je ferai un cours une fois là-dessus, c'est prévu dans les conférences et les ateliers qui se feront à Bruxelles, parce qu'il y aura des ateliers à Bruxelles sur toutes sortes de disciplines, évidemment. Voilà, si ça répond à tes questions. Oui, parce que, bon, en parlant d'énergie, là, c'était vraiment le cas, puisque la conférence était sur les passeurs d'âmes, et justement, ce monsieur passe les âmes, c'est un passeur d'âmes, et il y avait des énergies, justement. Donc, quand j'ai vu cette photo, je me suis posé la question aussi, parce que c'est la seule sur laquelle apparaît cette trace, et on dirait qu'elle part de la main, voilà, et qu'elle passe devant, mais sans plus. Mais bon, moi, je pensais plus à l'objectif aussi, au soleil, un reflet de soleil, voilà. Voilà, je ne sais pas si encore une photo... Merci. Et c'est Ariel et Catherine qu'on remercie. Qui... Non, non, il a mis le rideau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme photo? Oui, Ariel n'est pas là. Je vais regarder la photo suivante. Alors, hop, hop. C'est un monsieur... C'est posté par Sophie Demers et c'est, je crois que c'est son grand-père, voilà. Oh, ben dis d'abord, Willès, on voit pas très bien. Ah, mais je cherche la photo. Ah, voilà, c'est un monsieur qui tire sur sa cigarette. Mais comme rapidement, non, c'est parce qu'il y avait une photo que je passe et je repasse. Ah, et c'est celle de Chimeria Lord Frames. Est-ce que chaque fois que je repasse, j'entends, excusez-moi l'expression, gueule de fer. C'est ouais, c'est une photo style New Wave, donc des années 80 et des, et qu'un monsieur qui est décédé, mais j'entends souvent, chaque fois que je passe sur la photo, mais je me dépêche pour aller voir les autres photos pour les personnes qui nous suivent, mais je garde ça en tête pour l'instant. C'est pas donc c'est la photo de... moi, j'ai même pas... On n'a pas les mêmes photos, on a beau faire. Donc c'est Mario Gelton, mais on y reviendra après. Donc, je ne sais pas si Ariel est présent dans le secteur. Oui, puis vous avez, moi, comme suivre photo juste au-dessus, j'ai... On vient d'approche stupide, mais on continue. Ok, oui. Attends, j'ai un message, je ne vois pas non plus. Oui, il y a une photo... Qu'est-ce qu'on peut dire son grand-père, je ne sais pas trop. Est-ce qu'il n'est pas, il n'est pas espagnol, ce monsieur? Est-ce que Sophie Demers est là d'abord? Moi, je cherche la photo encore. Ah, c'est comme dans le temps, chez le photographe, il fallait patienter avant d'avoir les photos. Hein. Oui, voilà. Est-ce que si vous avez des réclamations, c'est chez Catherine, directrice de Kodak.
Non, mais c'est vrai que je pourrais faire des femmes si j'avais la. Si j'étais la. C'était la McCartney, la propriétaire de Kodak, effectivement, je pourrais faire de grands dons à la SBL. Ah oui, pour ceux qui demandaient ce que c'était une ASBL. Une association sans lucratif. Voilà. Voilà, donc c'est un petit peu un style de coopérative, on peut dire en France, c'est dans le même style, non? Oh non, c'est pas la même chose. La coopérative, c'est une association de gens qui veulent vendre des trucs, nous on vend pas. Ah, bon. Voilà. C'est une société normale, à la différence que nous on fait les choses gratuitement et que là c'est une... En fait, c'est la particularité, une ASBL, de ne pas... Le but est de ne pas du tout de générer de l'argent, mais plutôt de diffuser, par exemple, des informations. Voilà, c'est ce qu'on fait. Voilà, donc nous avions la photo de Sophie Demers, qui a posté son grand-père. Disons que par rapport à cette photo-là, c'est que je vois bien que c'était un homme assez à la fois dur, un peu comme envahissant parfois de vouloir trop contrôler ce qu'il avait autour de lui. À la fois taiseux, à la fois sentimental, à la fois... En fait, il me fait penser à comme à un arc-en-ciel. Il avait toute une multitude de palettes, de personnalités. Il n'était jamais... Quand il a besoin de cacher ses sentiments de faiblesse, il a un besoin de jouer à un rôle. Je ne sais pas si cette personne est en ligne là, qui a mis la photo. Non. Alors, vu que là où il est maintenant, la paix est là. Non, mais à propos du don, il faut cliquer OK. Et de toute façon, heureusement, il ne demande rien. Mais enfin, on se demande pourquoi ça débarque, cette petite... je ne sais pas si les autres ont reçu une espèce de petite... Oui, moi, je l'ai aussi. Petit truc, là. Oui, maman. Voilà, oui. Enfin, ouais. Pas trop ce que c'est, cette histoire. On dit aussi un don, aussi. C'est ça, voilà. Nous, on va faire ça. Alors, oui, à propos de ce monsieur... Attends, je peux poser une question. Il n'est pas espagnol? Ah, la personne n'est pas là peut-être. Bah, si elle n'est pas là, on peut peut-être passer à une autre. Ouais, je vais... Donc c'est un monsieur qui est... Vas-y. Non, je disais simplement c'est que c'est un monsieur qui est d'origine étrangère. Et il a un côté hispano... Il a un côté quelque chose de... Dans l'énergie. Ou portugais, quelque chose comme ça. Ou alors un côté italien, un méridien. Oui. C'est une question, mais assez macho, assez. Il a un petit peu le genre. Comme dans le film, là, le parrain, là. Il a un petit peu mafieux. C'est le genre qui fume la cigarette, là. À la limite, il pourrait même remplacer Colombo. Oh non! Pas la suite à Colombo! C'était non, l'humour. Tu veux dire Marlon Brando, pas Colombo. Marlon Brando, exactement, oui. Ah oui, voilà, d'accord, ça, ok. Colombo, vous voyez pas trop. Non, bah c'est quelqu'un qui avait beaucoup de négativité. Bon, Excusez-moi, mais je rappelle que c'est la seule personne, Ariel, qui a été enlevé par un OVNI et dont les martiens nous l'ont ramené tout de suite avec une rançon en plus. C'est pour vous dire. Allez, vas-y. Ouais, c'est pour blaguer, évidemment. Oui, mais quand et en plus, ils sont venus.
Ils sont venus nous dire, excusez-nous, on s'est trompé de bonhomme. Voilà. C'est pour un peu blaguer ce soir. Hein. Il est proche de minuit, on peut rigoler un peu. Oh là 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 là, oui, mais ça en dit long sur les personnages quand même. Oh. Ariel, non, mais on plaisante évidemment. Hein. Ariel sait bien qu'on aime bien rigoler. Hein. Mais bien sûr, heureusement. Vas-y, Ariel, vas-y maintenant, sérieusement. En tout cas, tu seras jamais dans la théorie des anciens cosmonautes. Bon, allez, vas-y, tu peux y aller. Ne t'inquiète pas, j'avais déjà compris depuis tout à l'heure. Voilà, on peut... Alors... Donc, on est... Ouais. Alors, attends, qu'est-ce qui... Alors, par rapport à ces personnes-là, c'est vrai que bon, que les personnes qui l'ont côtoyé, c'est avec sa force de ténacité, d'un côté machiste. Ça, c'est dans sa façon d'être, très dominant. C'est quelqu'un qui est fort insultant. Il n'y a que son moi-je qui comptait. Mais il y avait une personne à côté de lui qui ne se laissait pas faire. Je pense que c'était sa femme. Qui ne se laissait pas faire. Alors voilà. Je pense pas que la personne est revenue en ligne. Non, écoute. Non, écoute, alors voilà. On peut peut-être passer à. On passe à des photos où les personnes sont là quand même, c'est plus sympa. Mais je vais passer à la personne suivante, celle de LNE. Bonsoir, voici une petite photo, dites-moi en plus. Tu as fini? Non. Je regardais parce qu'en fait, elle dégage un magnétisme tellement puissant. De pas sa beauté, bon. Elle peut très bien être une gothique. En fait, elle peut prendre n'importe quelle pose. C'est une fille qui peut se mélanger sur beaucoup de peintures. Elle a de multiples. Elle a en plus, elle a un monde intérieur assez spécial. C'est pas une entité comme les autres. C'est une âme au-dessus des indigos. Au-dessus même des enfants cristallins. Elle a même elle a un taux vibratoire assez particulier. Est-ce que la personne qui a mis la photo est en ligne? Je pense pas. Non, la personne n'est pas en ligne, mais bon. Disons que bon, cette jeune fille-là. Oui, vas-y. En fait, la photo qui est en ligne, cette personne, elle est décédée le 21 août. Et est-ce que la personne qui a posté la photo est là, par contre? La personne qui a posté la photo, c'est Alison Kevin. Et alors, elle pose la question au sujet de sa belle-mère qui est partie. Je suppose, comme elle souffre beaucoup que sa belle-mère est partie, elle demande peut-être un message de sa part. Je crois que c'est comme ça que je comprends, moi. Est-ce que c'est juste Ali Mandine? Oui, c'est bien ça. Hein. Donc là, cette personne-là, tu es très triste qu'elle est partie et tu demandes qu'est-ce qu'elle dit. D'accord, voilà. C'est ça l'histoire. Non, je comprends maintenant. Qu'est-ce que tu dis, toi, Ariel? Maintenant, je comprends non, pourquoi qu'elle a une vibration assez importante, parce que je dis c'est pas possible en tant qu'humain de vivre ça. Enfin, pourquoi pas. Disons que par rapport à... Tu parles de quelle photo, là? De celle de... La belle... Alison Kevin, c'est la photo de sa belle-mère qui est décédée le 21 août. Oh, c'est bien celle-là, alors. Comment? De quoi? Elle a beaucoup de puissance en fait de ce que je ressens.
Ça forcément qu'elle a une très grande puissance, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Elle a une capacité hyper. Je ne suis pas habitué à côtoyer ce type d'âme en tout cas. Mais elle est en efficace. Est-ce qu'elle serait pas diamant comme vibration? Une très belle vibration, oui, très puissante. Très 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 puissante qui passe à travers en fait. Elle a peut-être quitté son corps physique, mais sa vibration ne risque pas d'être absente. Hein. Elle est bien. Elle illumine beaucoup encore et de façon. Je dirais presque effectivement comme un diamant, comme un laser, quelque chose de très puissant, presque tranchant, mais de lumière. Hein, mais très fort. Alors la personne qui demande ça, ben, elle lui manque, mais en réalité. Ben, je comprends qu'elle manque physiquement, mais si tu te branches sur elle, elle est là. Hein. Sa vibration, son énergie, elle est tellement présente. Mais de toute façon, le dernier passage qu'elle a fait sur Terre, elle devait le faire parce que c'était sa dernière heure de visite sur Terre. Elle ne reviendra plus sur Terre, c'est fini. Parce qu'elle a atteint une vibration qui ne lui permet plus de s'incarner. Par contre, là où elle est, elle va très bien. Les personnes qui désirent la contacter, il n'y a pas de souci de ceux qui sont très bons canal. Elle accepte de vraiment donner beaucoup d'elle-même parce que c'est vrai qu'elle est même au-dessus d'un diamant. Et c'est une vibration assez spéciale. Je n'avais pas encore senti ça auparavant. Oui. Mais elle dégage un amour au-delà de l'inconditionnel. Oui, c'est souvent la lumière. Hein. Mais Alimandine, bah oui, tu peux te. Je comprends que le manque, mais vraiment, tu peux te connecter à elle en permanence. Sa lumière, elle reste à côté. Elle peut t'envelopper continuellement. L'impression de la sentir. Bah oui, parce qu'on la sent nous aussi, alors on va demander trop. En fait, moi je m'intéresse beaucoup aux nouveaux enfants, en fait, j'ai travaillé avec eux et c'est vrai qu'ils sont vraiment étonnants en fait. Il y a tellement de choses à apprendre d'eux. Et ils ont une énergie si intense en fait. Là par exemple sur le site, j'ai mis, enfin sur le. En haut, en première page, j'ai mis une photo de mon neveu en fait. Et il a une vibration très forte, il a beaucoup d'énergie. Si vous voulez. J'ai pas cette photo là moi. Attends, faut que je réactualise la page. Oui parce que moi je vais. Parce qu'il faut que je retrouve la photo. Ok, il faut que je la modifie. On ne voit pas la pièce que tu as mis, Théo. Mais ouais, c'est. Je la mette pour tout le monde, en fait. Je pense. Public. Ouais. Exactement. Et si voilà. Tu fais pas ça, personne ne la verra. C'est bon, c'est fait. Faut que tu la remettes. Oui, on n'est pas encore capable, on décrit à part Miles parfois, mais on a encore du mal de décrire les photos quand on les voit pas. Ben, en attendant qu'il mette sa photo, ouais. En attendant que Théo mette la photo de son neveu, dis Willis, la photo de la jeune fille, c'est quoi comme entité? Parce qu'elle est assez spéciale. Il faut savoir que d'abord, ce que j'ai été voir chez elle, c'est les derniers moments, beaucoup de sueur, peur, se voir partir, se voir dépérir, garder une force à l'intérieur et savoir que tout est vaincu. C'est un événement terrible qui permet de propulser les dernières énergies en pointe de flèche. Ce qui m'interpelle, c'est le courage
face à une décomposition de la personne. C'est une chance qu'on lui a refusée et quelque chose lui a refusé de réussir et de gagner le combat. Il y a eu beaucoup de sueur, il y a eu beaucoup de combats internes. Les derniers moments ont été terribles, terribles, terribles. Et elle a laissé une forme d'empreinte, je ne dirais pas le mot lumière, mais je dirais une présence qui laisse une signature du peu de ce qu'elle a vécu dans sa vie. Il y a un fort combat qu'il y a eu, perdu d'avance. C'est quelqu'un qui savait que le combat était perdu, mais beaucoup de sueur, et je constate que ça a été ça n'a pas été facile, vraiment pas facile. Et elle a réussi à laisser une trace, ce qui est quand même relativement rare. Elle a laissé une signature. Pourtant, elle me parle bien de certaines choses. Même, il y a les animaux qui avaient un point important pour elle. Quelque chose qui... Il y avait aussi un espoir sur un amour qui allait être vraiment bien. Et puis, bon, ben, les choses se sont pas déroulées comme ça devait être parce qu'on lui a interdit quelque chose. Mais cette fille a souffert. Dans les derniers moments, elle a souffert par son intérieur propre, par sa fierté. Il y a eu beaucoup de sueur. Je vais laisser ça comme ça parce que je n'irai pas plus loin, parce qu'il y a un grand respect à avoir pour cette personne. Mais je ne serais pas étonné que plus tard, il y ait certaines manifestations, certains contacts. Mais il y a une forte détermination, en tout cas, qui se présente. Je crois qu'elle n'est pas seule, c'est ça que je veux dire. Je crois qu'elle n'a pas encore eu les deux questions, si je peux m'exprimer comme ça. Mais ça a été difficile, très difficile. Je m'arrêterai là parce qu'il faut garder un certain respect. Voilà, je te laisse continuer, Ariane. Mais voilà, bon, je sais pas. Il me faudrait maintenant si... Parce que j'ai pas plus de photos que ça pour l'instant. J'ai ici la photo de Alison Kevin. Moi, j'en ai une, qui est celle de Vérité l'Armor. Il y a une photo où c'est une dame habillée avec un léger pull, léger t-shirt blanc, et derrière, il y a bien sûr un reflet du soleil à l'arrière. Une personne qui croit en la vie. C'est une personne qui ne veut plus de secret dans sa vie. Une personne qui décide de pas changer de vie, mais une forme de fuite en avant et parfois de rattraper le temps perdu. C'est vrai que je m'en avais fait pendant que tu avais été coupé. Voilà, je vois l'armor. Je ne sais pas si ça correspond à ce que vous avez dit, mais il y a une opération que les femmes ont souvent qui commence par les mammographies et compagnie, j'irai pas plus loin. Il y a ça qui se prépare, mais il y a une force aussi, bien sûr, mais elle a voulu un enfant, elle a voulu quelque chose de
tout porter quelque chose sur un enfant au départ. Et ça a été aussi un peu compliqué. Il y a quelque chose dans sa vie. Elle n'a pas confiance en celui qui fait la photo. Elle n'a pas du tout confiance à celui qui fait la photo. Elle donne encore la chance aux gens, mais elle n'y croit pas des masses, comme on dit chez nous. Mais il y a quelque chose dans la photo qui m'échappe. Il y a quelque chose dans la photo qui m'échappe. Et comme je vois plutôt sa vie, c'est plus tout ce qui est mammographie, un truc comme ça. Je ne sais plus le terme des opérations qu'on fait aux personnes qui ont un souci à ce niveau-là. Bref. Voilà, je vous laisse continuer. D'ailleurs, en règle générale, ça concerne tout le monde, tout ce qui est lié au système génital, que ce soit la poitrine, les seins ou la vasectomie, donc l'ablation de la matrice, c'est quand même toujours lié à une blessure par rapport à la maternité. Et ça fait des générations, ça se transmet de génération en génération, hein. C'est pas juste soi, mais c'est vrai que énormément de femmes portent des blessures affectives. Parce que en règle générale, ça en sort un petit peu des photos, un kyste, où qu'il soit, eh ben, c'est une forme de chagrin qui est cristallisé. Voilà. Donc ça n'a pas grand chose à voir avec les photos, mais bon, par contre, ça veut parler à tout le monde. Donc, d'où l'importance de rester heureux et de faire tout pour l'être, c'est bon pour la santé. Bon, mais photos, on les voit, non? J'ai l'impression que ça des enfants, là, hein, on les a, ouais, on les voit ils veulent pas se montrer, hein. Ils veulent pas se dévoiler. Si, là, c'est bon, oui, maintenant, on la voit. Bah, c'est peut-être un peu tard, peut-être, parce qu'il est l'heure, là. Non, photo, c'est bon. Mais... on voit la photo. Continuer, voit, mais je la vois pas. Je sais pas comment est-ce qu'elle peut... Où est-ce qu'on... Et si tu la mets... Tu fais F5. Ça va pas mieux. On voit la photo, 4, il faut actualiser. Il y a un autre truc pour actualiser F5, parce que moi j'ai beau faire F1, mais peut-être c'est... F5. Voilà, oh, 1, 2, 3, hop. Ah, et peut-être, voilà. Théodoro de Marie. Ah oui, Sonny, voilà, j'y suis. C'est magique. Là, les coquins. Oh ben, de toute façon, ce sont deux beaux bouts de chou. Ça attaque. Ouais, c'est difficile à suivre. J'ai du mal avec eux parfois. Ils me font travailler. Tu as beaucoup de mal à les canaliser. Tu as beaucoup de mal à travailler avec eux. Ouais. Je m'entends très bien. Mais elle a plus une dimension, on va dire, alchimiste, beaucoup moins ancrée en fait, beaucoup plus dans le côté intelligent et je réfléchis, le côté drôle en fait. Et moi je la trouve plus cristal en fait, et lui je le trouve vraiment beaucoup plus guerrier, qui s'impose, plus quand même indigo quoi. Et il en fait baver tout le monde en fait. Il a même pas 5 ans, c'est impressionnant quoi. Faut le suivre quoi. Il n'est pas le seul, il aura de plus en plus comme ça. Moi j'ai été comme ça par exemple. 2000, ils sont incroyables. Hein. Ouais. Ils mettent tous les parents à genoux.
Moi, je dirais tel oncle, tel neveu. Oui, c'est ça. Tu étais comme lui ? Oui, Pierre. Alors, voilà. Et c'est un enfant d'Igo. Oui, je pense, oui. Oui, c'est un pur enfant d'Igo. Ça se voit. En grandissant, il aura un très très grand chemin à faire, des décisions à prendre. C'est vrai qu'il n'aura pas facile avec les gens autour de lui, mais avec sa force de caractère, il va faire bouger les choses. C'est marrant parce que elle aura besoin plutôt. Elle sera plutôt genre par rapport à lui d'être un petit peu le. Comment on va dire ? Lui la dureté, elle la douceur. Ils vont jouer un rôle ensemble d'énergie féminine, masculine. Parce qu'ils sont deux enfants d'Igo de toute façon. D'accord. Elle était un indigo cristalline, lui c'était un indigo diamant. Waouh, d'accord. C'est pour ça qu'elle a plus de caractère. Bon. Mais elle, disons qu'elle aura une très très bonne carrière sociale plus tard. Lui par contre, au début, il n'aura pas une très grande carrière sociale comme tout le monde, mais il sera fort intéressé par le paranormal, dont son parcours va être là-dessus. Il va faire beaucoup pour les gens. Ça ne m'étonne pas du tout. C'est pour ça que j'ai dit tel oncle, tel... Ouais, il me fait écho en fait, et puis il fait souvent. Il te fait écho, exactement. De la colère ou des ressentiments, quelque chose comme ça, d'en découdre en fait, de s'imposer en fait. C'est vraiment ça. Voilà. Mais son but c'est de faire sortir les colères des autres. C'est-à-dire que c'est celui qui va faire sortir les sentiments pour ne pas que tu les gardes en toi. Par contre, lui, il s'est attaqué. Il n'aura pas peur d'affronter, si tu veux, les propres ressentis. Tu as quelque chose à dire, Catherine ? Oui, moi je vois plus, je sens plus la petite fille. La petite fille, oh, elle est malie, elle est très. Elle vous regarde comme ça, elle sait tout ce que tu penses. Elle fait copier. Oui, c'est ça. Vous savez, comme elle prend le programme là dans ta tête, hop, elle se met dans la sienne et elle lit tout. Pas besoin de lui expliquer rien du tout, elle sait déjà. Elle a vraiment. En fait, on parlait tout à l'heure avec les capacités qui sont en train de se développer, ben chez les enfants nés depuis 2000, la plupart du temps, ils les ont de façon innée, c'est-à-dire qu'ils ne doivent plus apprendre, ils sont plus surpris, ils naissent avec. Hein. Donc c'est vraiment, c'est plus que de la télépathie, c'est vraiment cette capacité de se brancher sur tout ce qui est dans votre. Vous avez des images en tête ou des choses, ou des pensées, de la musique et tout. Elle prend carrément tout le film, elle le met dans sa tête et elle voit le film. Voilà, c'est carrément ça, vraiment. Elle fonctionne vraiment comme ça tout le temps. Donc évidemment, le monde avec ces personnes-là va commencer seulement à se créer parce que le monde qu'on a construit jusqu'à maintenant, qui est en train de s'écrouler royalement, mais évidemment, il n'a plus rien à voir avec ces enfants-là parce qu'ils sont complètement au-delà de toutes les structures existantes. C'est même un problème, l'état actuel de l'école qui est complètement obsolète avec des enfants pareils, mais enfin, c'est comme si l'école, c'est l'école gardienne et eux, ils ont déjà fini l'université et on les oblige à aller à l'école gardienne, ce qui est débile, quoi, parce que c'est déjà vrai. Tellement plus loin que tout le système. Mais c'est vraiment donc, ça, ils sont du futur. On quoi, va voir du fil à retordre et c'est normal parce que ces enfants, en plus, ils ont une énergie phénoménale. Hein. Ils fatiguent vraiment beaucoup leurs parents parce que les parents se sentent encore obligés d'être parents et ils se rendent compte à quel point les enfants ont des dons et des capacités tellement plus fortes qu'eux. C'est pas facile comme rôle. On peut les entourer de beaucoup de compréhension, leur donner un cadre et puis essayer de les laisser. S'épanouir et surtout pas trop leur imposer le système extérieur qui, de toute façon, ne fait que les brimer. L'enseignement devrait permettre de développer ses dons. Et dans l'état actuel des choses, des enfants comme ça, ça fait exactement le contraire. J'ai pas vraiment de solution miracle hein, pour le moment à propos de l'école. Tu as travaillé avec les enfants, j'imagine, non ? Parce que tu les connais bien. Enfin... Mais disons,
Je les observe beaucoup et je les comprends très 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 bien, surtout quand je les regarde, je comprends tout, je comprends ce qu'ils ont besoin et c'est plutôt l'enseignement qui est complètement, qui fait l'inverse d'enseigner, qui est terrible pour le moment. Et ça, ça passe par, ça vient de la politique et tout ça, et les enfants, les parents sont obligés de mettre leurs enfants à l'école. Souvent c'est plus du babysitting ou du jardin d'enfants, c'est pour garder les enfants plutôt que de leur apprendre quelque chose, et les professeurs sont dépassés, les structures sont dépassées, c'est vraiment ça, hein. C'est comme si ils sont très grands, je sais pas, au niveau énergétique, comme si ils sont gigantes, une espèce de grande bulle, et ils doivent se mettre dans des dans une tête d'épingle là. Évidemment ils pètent les plombs, ils envoient tout promener, ils n'en ont rien à faire, parce qu'ils sont bien au-delà. Donc oui, les parents, quand on est parent comme ça, on peut offrir un cadre matériel, affectif, mais surtout au niveau intelligence et développement, ces enfants-là sont bien capables de créer tout leur monde et ils ont compris tellement vite. Donc ils le rejettent en fait quelque part. Pardon ? Parce qu'ils le rejettent en fait quelque part. Mais oui, bien sûr, ils rejettent tout à fait parce que c'est débile ce qu'on leur fait ingurgiter. Ils sont tellement, ils ont compris qu'ils sont bien plus malins que tout ce qu'on essaie de leur apprendre. Ils sont plus loin, ils sont tout simplement plus loin. Mais en même temps, c'est des petits-enfants, donc physiquement et effectivement, ils ont encore besoin d'être dans un cadre, mais c'est une situation extrêmement particulière à l'heure actuelle. Et c'est déjà le cas depuis pas mal de temps. Hein. Mais là, maintenant, ça s'est vraiment accentué. Où les enfants sont beaucoup plus évolués que les parents. Et avant, il y avait l'autorité, les machins, on apprenait, etc. Et maintenant, enfin, malgré tout, ce qu'il y a de bien, c'est que les parents, ils ont compris que tout ce qu'on a appris, il faut liquider toutes nos structures, toute notre éducation et tout. Nous, on passe son temps à faire des thérapies pour faire le nettoyage. Alors, quand on a des enfants qui sont nés où il n'y a pas de karma, où il n'y a pas de trucs négatifs, où il n'y a pas de mauvais trucs, on sait très bien qu'on ne doit plus leur inculter les conneries que nous on a encore fait gober. Mais on ne sait pas trop quoi faire non plus, parce qu'il n'y a rien qui existe à l'extérieur. On est tout seul comme ça avec les enfants. Et l'école et tout ce qui existe, c'est un vrai souci. Mais en fait, on est dans une période où on a tout à créer, en fait. C'est ça qui est extraordinaire. Pardon ? Parce que on est dans une époque, en fait, où on a tout à créer, en fait. Absolument. Et franchement, les enfants, c'est vraiment l'enjeu... Voilà, de cette nouvelle société qu'on est en train de créer, qui évolue fortement, en fait. Donc, c'est vrai que ça fait des clashs, des à-coups, des choses qui sont pas forcément... qui sont un peu raides, parce que y a des mondes... Et on peut dire, c'est comme s'il y avait des années, des éons qui se confrontent, quoi. Les anciennes énergies, les nouvelles, ça... Heureusement, il y a quelques personnes. En France, je sais qu'on est encore beaucoup plus rigide, peut-être qu'en Belgique, je ne sais pas, quoique. Mais c'est très important que les personnes qui sont vraiment des éducateurs, parce que souvent les professeurs, ils en ont ras-le-bol avec le système et le carcan et tout ça. Mais il y a quand même quelques professeurs qui sont à la fois visionnaires et qui ont une âme de comment on appelle ça, de pédagogue, donc le désir vraiment de communiquer aux enfants et qui prennent des risques et qui osent faire des choses par eux-mêmes et qui osent sortir du système traditionnel. C'est un exemple que je donne, mais il serait bien de se multiplier. C'est en Belgique, c'est dans un petit village, je ne sais plus où, en Wallonie. C'est un professeur qui a vraiment pris, qui se permet d'aller à contre-courant de ce que le truc national lui dit de faire. Il a fait un tout autre système, il met tous les enfants ensemble, il leur apprend de façon très différente, et on avait les témoignages d'enfants qui étaient heureux. Et les enfants disaient, c'était mignon, ils disaient, oh, avant c'est ennuyé d'aller à l'école, et maintenant on aime bien, on est tout content. Oh, bouleversement, parce que justement il a osé, mais il est quelque part en porte-à-faux en principe avec le système, mais comme c'est il est vraiment passionné, il est sûr de ce qu'il fait, il a pris le risque. Mais bon, il y aura toujours des gens qui viennent le critiquer, voilà, mais c'est important que les gens qui ont la fibre pour enseigner, ils osent aller que ces gens-là osent faire autrement
que de suivre les règles obligatoires et tout ça, qui prennent les risques. Parce que, comme on dit, l'enjeu, c'est la vie des enfants, et c'est notre futur, et c'est le futur de la planète, et c'est le futur de tout. Donc, à la rigueur, on s'en... Tant pis pour les vieux trucs, quoi. Voilà. C'est ce que tu me dis là, ça me touche, parce que ça me touche même en profondeur, en fait, parce que tout ce qu'on est en train d'aborder, c'est quelque chose... Parce que moi, j'ai un enfant intérieur hyper fort, en fait. Il a toujours été comme ça, en moi, je le sens terriblement. Et en fait, les enfants, ça m'a toujours parlé, en fait, dans le sens où j'ai un feeling hyper, voilà, intense avec eux, et parfois même c'est même peut-être trop, je sais pas, il y a une connivence voilà qui est présente, et notamment il y a aussi l'enfant intérieur qui me vient, c'est aussi quelque chose de très important en fait d'aller voir son enfant intérieur, de pouvoir aussi permettre aux enfants d'être dans ce passage en fait des je dirais de 5 ans à... Enfin, le passage de l'école primaire où souvent ils ont tendance à se couper, en fait, justement, de leur partie, de leur magie. Et c'est là que ça devient intéressant de travailler à cet âge-là pour les aider à garder, en fait, et pas à se conformer, à perdre leurs rêves et leurs vibrations, quoi, en fait. À rester dans leur beauté initiale, voilà. Et pas être sapé et saqué par un système extérieur. Oui, c'est très important. Oui, parce qu'alors après, on arrive parfois des choses à l'adolescente qui sont nettement moins rigolotes, mais c'est tellement on a coupé ce qui était bon, et alors bah, ressort après le restant. Donc c'est tellement important de garder, et de garder ça finalement toute sa vie. C'est ça aussi le changement à opérer dans la société. Nous, on a enfin, les générations précédentes et nous, on n'a pas trop vécu ça, mais finalement, pour l'avenir, c'est de ce côté-là. Quand on comprend, il y a énormément de possibilités, de choses beaucoup plus heureuses que ce que nous, on a vécu, quoi. Donc, je comprends bien. Tu travailles avec les enfants ou pas du tout? Alors, moi, je fais beaucoup de choses. En fait, je fais de l'astrologie. L'énergétique, les masses. C'est pour ça que j'ai rien dit tout à l'heure, parce que je le connais, c'est pour ça. Je suis aussi Chanel, mais disons que ça fait que 3 ans en fait que j'expérimente le channeling à proprement dit. Enfin, je captais déjà des choses quand j'étais plus jeune, mais c'était un peu différent. Pas faire une formation ou quelque chose qui parle de ça en fait, c'est voilà, je sens qu'il y a quelque chose à faire là en fait pour moi. Oui certainement, de mon côté moi j'ai toujours trouvé que c'était aussi très important de faire quelque chose dans le domaine dans lequel on est avec les enfants pour justement leur laisser ces capacités qu'ils ont et les reconnaître justement travailler un peu, transformer un peu ce système tel qu'il est actuellement pour aller proposer on va dire des choses plus intéressantes comme dans le système éducatif, transformer vraiment des choses très importantes au niveau de la structure scolaire. Ouais. Oui, il y a d'autres astrologues aussi dans le... C'est génial. Oui. D'accord. On va passer à la photo suivante. Voilà. Bah, je vais passer sur la photo, si tu permets. Dans un premier temps... Juste après les quelques discussions qu'il y aura donc en Europe sur les différents partages, la fille en bas à droite partira dans un autre pays vivre. Et le garçon va travailler pour une société d'informatique qui vont mettre évidemment dans les prochaines années un espèce de cylindre qui sera GSM et également une forme d'hologramme. Donc vous aurez
vous n'aurez plus le visage évidemment de la personne, mais un hologramme, ça fera un peu tout. Et il va travailler pour cette société-là, tandis que la jeune fille ici, après les dénouements qu'il y aura en Europe, fera un choix de partir travailler dans un autre pays qui demande aussi à, je dirais pas évoluer, mais à comprendre les nouveaux objectifs qu'on a imposés à ces pays-là. Ça, c'est leur avenir. Et en ce qui concerne les enfants indigo, dans l'histoire, encore une fois, dans tous les changements, les enfants ont toujours eu un rôle important, que ce soit dans un rôle sombre ou lumineux. Ils ont toujours joué un rôle important dans des découvertes. Comme je dis souvent, il ne nous reste que deux générations. Et les générations qui arrivent maintenant, en petite partie, sont des enfants, comme je disais, qui sont précurseurs comme les autres avant eux dans les différents moments du temps. Ils ont un rôle pour le moment à s'ouvrir à leur monde, à eux. Il y aura par la suite une forme de prise en charge pour amorcer le rôle qu'ils doivent faire, c'est-à-dire d'inverser la vapeur. Il y aura une foule autour de tout ça, tous ceux qui ont des facultés particulières. Ils pourront justement prouver que la sensibilisation d'un individu a plus d'importance qu'un rôle politique ou que sais-je. Bien sûr, avant tout ça, il y a des choses à mettre au point entre des pays qui se regardent dans le blanc des yeux. Mais ceci est une autre histoire qui se répète régulièrement et dont certains observent avec grande fascination. Voilà. Alors, mais on va faire une dernière photo parce que vu qu'il est déjà passé minuit, on peut rester jusqu'à demain. Oui, parce que l'équipe doit partir en enquête demain. Bien, disons qu'ici c'est la photo de Fanny Reiki. La toute dernière. Je ne sais pas si cette personne est là. Ok. Bah, disons que bon, je vois quand même, malgré tout, que ce beau bouquet de fleurs qui est là, c'est très beau. À la fois blanc et rose. Il manque un petit bouquet de fleurs rouges, peut-être bien. Je dirais que là, c'est une famille un petit peu très soudée. Avec, avec tous les enfants d'un côté de l'autre, d'une mère très nourrissante et très aimée. Attends, ce qu'on appelle ça un poste fixe. Oui. Alors, ceci ne nous regarde pas. Alors, oui, laisse-tu. Voilà, excusez-moi. Tu disais, Catherine fleurs, hein. Bah, tu vois quelque chose pour avoir la photo. En fait, je ne suis pas trop inspirée, on voit surtout les fleurs. On voit que c'est en Italie. Non, parce que bon. On suppose que c'est en Italie. Je vais faire juste une petite interruption parce que bon, je vais revenir sur la photo de Fizel. Est-ce qu'elle se trouve dans cette photo-là? Elle se sent mal. Je vais... Voilà. Copier. Je fais un coup de copier. Elle, apparemment, Eve demande quelque chose de plus mineur. Oui, je sais, mais c'est parce qu'il y avait... Elle est où, la photo de Ève? Elle était tout en dessous. C'est laquelle? Elle est comment? C'est la photo en arrière. Je reviens seulement sur la page.
C'est une photo d'une jeune fille. Celle que j'avais regardée. Attends 2 minutes, Eve. Si celle que je pense, attends. Une jeune fille, on voit surtout son regard. C'est ça, hein. Mais son regard exprime bien beaucoup ce que ça veut dire. C'est une jeune fille à la fois, douce, qui a du fort tempérament. C'est la photo qu'elle est de profil. Tu fais un coller-copier, là, il est même noté sur le site. Ah, ok. C'est une photo en noir, une petite photo en noir et blanc. C'est une petite photo en carré. On voit juste le regard sur le côté, comme ça, et on la voit juste quasi les yeux, quasi que les yeux. La jeune fille qui a des décisions à prendre, comme ça. On essaye de conseiller, mais qu'elle observe pas mal de choses. Elle a un développement encore à faire, mais elle réfléchit à beaucoup de choses, en fait. À beaucoup de propositions, elle a décidé sur pas mal d'ouvertures. Il y a encore quelque chose qui bloque. Et pourtant, je ne trouve pas de lien. Est-ce qu'il y a un choix très grave à effectuer pour son développement à elle? je ne vais pas regarder la photo, ce sera plus facile. Je ne vais pas regarder la photo, parce que si je regarde la photo, ça m'influence et je n'ai pas envie. Donc je disais qu'elle a un choix à faire important. Il faut la conseiller, mais la laisser réfléchir. Et les choses s'arrangeront calmement pour elle. Il y a des choses qui doivent être prises en considération à cause du passé, d'accord. Mais là, il y a des choix qui vont arriver. Enfin, non, ils sont présents, les choix. On peut un peu l'épauler, lui parler, mais laisse la nature faire son rôle. Et je crois que ça évitera des séquelles. Parce que pour le moment, les cicatrices sont toujours là. Mais ça va aller, ça va vraiment aller. Je regarde pas la photo, comme ça c'est mieux. Mais est-ce que maintenant elle choisit des couleurs pour le moment? Est-ce qu'elle a tendance à revivre un petit peu, Eve? Je sais pas si Eve est toujours. Et bon, qu'elles ne font que ça. Elle a quitté la conversation. Donc... Ah non, c'est pas elle. Non. Il faut qu'elle... Est-ce qu'elle prend des couleurs maintenant ou pas? Pas encore. Est-ce qu'elle se tourne vers tout ce qui est couleur? Est-ce qu'elle a déjà fait ça? Pas encore. Si? Ça va, parfait. Donc maintenant, elle se tourne vers des choses gaies, de couleurs, et qu'elle... Elle se relance un petit peu dans les choses actives. Est-ce qu'elle émerge? Ou elle reste toujours pensive à réfléchir sur des décisions? Tant les choses sont présentes maintenant, c'est maintenant qu'il faut bouger. Il faut laisser la nature faire. Voilà, j'ai répondu à... la photo.
Et je suis désolé, pour le moment, je regarde ça en photo, mais il y a autre chose qui est en train de bouger, donc je m'occupe des deux choses en même temps. Ce qu'il y a sur l'écran et ce qu'il y a à côté de l'écran. Bah, disons que moi, ce que je peux rajouter, c'est que bon, c'est vrai que c'est une jeune fille, qu'elle doit suivre son destin tel qu'il vient. Bien sûr, comme tout le monde, elle aura ses hauts et ses bas, elle n'aura pas de graves problèmes, juste un petit peu surveiller ses émotions caractérielles. Sinon, c'est une personne qui, comme m'a dit Willis, bon, elle ira quand même pas à pas dans son cheminement et ne pas trop se tracasser sur elle pour son devenir plus tard. Parce que si on met dessus des énergies de doute, ça peut entraver son destin. Elle doit vivre son propre enclave, on va dire. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Elle doit trouver ses propres repères, tu veux dire. Oui, voilà. Elle doit apprendre à elle-même à découvrir ses mondes au fond d'elle-même. Parce qu'elle va passer par des phases dures à très dures, même parfois très très dures, qui vont lui permettre de grandir à ce qu'elle aura à faire. Mmh. Bah oui, un peu comme tout le monde à cet âge-là, c'est pas simple, il faut trouver. Oui, mais elle aura un destin assez particulier. Voilà, ça répond plus ou moins à ta question, Eve. Être derrière un, derrière l'autre, parce qu'ils vont tout le temps te demander maman si maman là, maman si maman là. Et il y a un moment que ça va tellement t'étouffer que tu risques de prendre fuite à cause de ça. Alors moi je dirais qu'avant que ça se produise, c'est-à-dire de ne pas prendre la fuite, mais d'apprendre à dire oui et apprendre à dire non dans certaines phases par rapport à eux durant leur vie. Ils iront tous très très loin, à part le plus grand, que lui tu l'auras un petit peu plus souvent à côté de toi. Parce qu'il y a, cette symbiosité, un petit peu comme, comment tu vois, encore celui-là, comment tu passes encore là, l'enfant qui voulait épouser sa mère là. Comment s'appelait-il encore cet enfant-là, Romain là, ça ne me revient plus le nom. Oedipe, voilà. C'est un garçon assez oedipien, qui voudra voir sa mère pour lui. Et quelque part, il pourrait risquer de faire le diviser pour mieux régner entre ses frères et soeurs, juste pour garder sa mère pour lui. Et ça pourrait donner une complexité aux autres et se battre entre eux à cause de ça. Et alors ça, il faudra faire attention à ça. Et alors, depuis quelques années qu'il a commencé, tout doucement, il est en train de prendre du terrain et que les frères et soeurs devront s'écarter et ainsi de suite. À ce moment-là, c'est à la maman maintenant de montrer un petit peu que le fils, c'est le fils, c'est la maman, et non pas que le fils devient le mari de la maman. Parce que je vois que la façon qu'il prend déjà sa mère, c'est un petit peu « je suis le fils, mais c'est moi le père, c'est moi qui gouverne tout ». C'est bien la famille, la maman italienne aussi. C'est vrai qu'elles ont tendance à tellement adorer leur fils que finalement, comme disent, il y a une chanson italienne qui dit « mon plus grand amour, c'est ma maman ». Je crois que c'est même Pavarotti qui chantait ça. Donc c'est très italien ça comme conception. Alors voilà. Voilà. Bon, moi je vais dire à Fanny de faire ce que je lui ai dit évidemment pour le mois d'octobre, que les choses iront, elle a le potentiel et je lui donnerai quelques petits trucs intéressants au niveau des techniques de l'eau et autres choses aussi. Donc ça l'aidera dans ce qu'elle veut
partager avec les gens, vu que je sais très bien que c'est sur une vision, évidemment, bien sûr, au niveau de gagner aussi sa vie, ce qui est logique, mais il y a aussi l'énergie positive, celle qui fait qu'on a envie de croire, de partager, de vivre avec les gens, avec ce qu'on connaît. Donc, je te donnerai un coup de main. On fera une conférence justement prévue sur la renaissance de l'eau. Tu te rappelles, je t'en ai parlé. Est-ce que tu me confirmes que ça avait bien fonctionné, ce que je t'avais donné comme quelques petits renseignements au départ pour les enfants comme pour les gens? Je te donnerai le reste du, on va dire, du traitement, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu savais bien fonctionner pour toi? Non, F, ça, c'était pas pour toi ce que j'avais noté tout à l'heure. C'est parce que on se prépare à un affrontement demain après-midi. Demain, on affronte quelque chose. Déjà, arranger les bidons. Ok. Et ça, c'est une autre partie. Ça, c'est une autre partie que je ne partage pas lors des conférences, parce que autant partager ce qui est dans le bon. Ici, on va affronter ce qui n'est pas du tout bon du tout. Mais moi, c'est mon pain. Alors, ça va aller tout seul. Bref. Donc, mais pour revenir à ça, donc voilà, j'espère que les choses vont s'arranger pour, enfin les choses vont s'arranger, non, les choses soient faites comme je proposais à Fanny, pour se lancer dans un partage intéressant où on gère l'énergie dans le Reiki, évidemment. Voilà, je crois que c'est important. On va peut-être là commencer tout doucement à y aller, là, il est minuit et demi, ce sera pour la prochaine fois, les autres photos. Alors, moi je conseille à Ariel de ne pas sortir, parce qu'il risque encore de se faire enlever par les douanes, qu'on a des rançons régulières, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Moi je suis prêt, Alex, hein, c'est pas... Voilà. On regardera ça. Voilà, pour ma part, la conférence se termine, bien sûr. Il y en a une autre vendredi prochain, rassurez-vous. On pourra peut-être encore faire les photos, parce qu'il y a quand même pas mal de demandes. Donc, moi, tant que les gens sont intéressés ou essayent de comprendre les choses, et à travers les photos, pourquoi pas. On fera probablement aussi à la rigueur, ensemble, une forme de, si je peux dire, de cours d'apprentissage au niveau des photos. Et les photos, en fait, sont comme un support. Ils déclenchent les facultés des gens à ressentir cette énergie. Et là, encore une fois, on a une preuve de quelque chose avec les photos. On a une preuve qu'un objet peut agir. Je parlais dans la conférence samedi passé, si vous voulez bien encore quelques minutes, que les objets dans les brocantes, rappelez-vous, et ainsi de suite, avaient un rôle. Ils pouvaient être positifs ou négatifs, interagir sur nous de certaines manières. Eh bien, une photo, évidemment, est un objet. C'est un objet qui... Comme les Indiens disaient, là, on prend l'âme sur la photo. Et c'est authentique, on en parle dans les films, mais pourtant c'est authentique, ça. Et la photo reflète justement tous ces sens. Et nous avons tous, chacun, chacune, la particularité de pouvoir les lire. Et vous allez me dire, non, c'est pas possible, pourtant, ceux qui prennent une photo de quelqu'un qu'ils ont connu, il y a déjà un contact émotionnel, celui des souvenirs, celui aussi parfois de se dire, tiens, j'aurais pu faire ceci et cela avec. Il y a une communication avec un support, en l'occurrence une photo. Il y a aussi d'autres techniques. Et je pense quand même qu'on va l'enseigner
beaucoup de gens me disent ailleurs, pas sur les conférences ici, « Willis, j'ai plus de photos. J'oublie son visage. J'oublie telle et telle chose. Comment je peux faire pour me souvenir de lui ou le garder près de moi ?» Il y a et il existe une technique où non seulement on se revoit avec la personne, mais en touchant une forme d'émotion, on a l'harmonie de vivre encore avec ses souvenirs. Je n'ai pas dit que la présence de l'esprit, mais on vit parmi ses souvenirs. Comment ça a été découvert? Eh bien, encore une fois, malheureusement, dans une expérience que on a eu l'occasion de parler, ces soldats qui partaient et qui n'avaient pas de photo, pas de carte d'identité, rien du tout pour ne donner aucune information et qui partaient pendant des temps et des temps, ils devaient avoir une pratique pour se fortifier en cas de coup dur. Ça m'est arrivé. Et je vous expliquerai comment ça fonctionne. Voilà. Pour ma part, j'espère que vous avez passé une excellente soirée et en remerciant bien sûr notre extraterrestre Ariel et alors notre directrice Kodak de ce soir, Catherine. J'espère que, bien sûr, c'est pour rire, c'est vrai, mais c'est pour rire, comme dirait un ami. Mais je dirais simplement que j'aime bien que les conférences, il y a un peu d'humour dans ce qu'on explique. Et je crois qu'aujourd'hui, le message est passé, comme quoi on pouvait nous laisser un petit peu gérer notre salon sans voir des personnes qui viennent un petit peu perturbées comme d'habitude. Je pense que les administrateurs du forum ont fait leur travail. Et voilà, les choses se passent toujours bien quand tout le monde prend ses responsabilités. Donc je vous donne rendez-vous vendredi prochain, probablement qu'on fera une lecture photo et on fera donc une petite discussion sur d'autres sujets aussi. J'espère que la soirée vous a été agréable à tous et donc on vous prépare pas mal de trucs intéressants. Alors voilà, je laisse la parole à Catherine et à Ariel évidemment pour terminer un petit peu. Ben voilà, bonsoir à tous et merci d'avoir été là. Et c'est vrai, je crois que on a été bien passionnés par ce qu'on fait en tous les cas. Allez, bonne nuit à tous. Et à vendredi. Mais de ma part aussi, bonne nuit à tous et merci d'avoir venu écouter le partage des photos de l'invisible, les photos même des vivants aussi. Et n'oubliez pas pour le 19 octobre à la Louvière pour nos prochaines conférences. Donc la conférence à la Louvière le 19, c'est sur les frites, les hamburgers et les fricadelles. Sans oublier. Apportez vos barbecues dans la salle, ça va être gay. Et du vin rouge. Ah oui, j'oubliais évidemment. J'attendais ça bien sûr. Et du vin rouge. Parce que ça m'adresse aux fricadelles et tout bof. Oui, mais comme on a remarqué, Catherine n'a pas eu de vin rouge pendant la soirée. Elle était assez énervée, elle a fait tomber le micro. Oh, c'est pas vrai. Ouais. Allez, bonsoir. Bon, voilà. Et alors, un grand merci à Alex, à Mephisto et bien sûr Angel 22 qui ont assuré ce soir la conférence. Merci à Chouchouk aussi, à Perle de Lune, Béa Tionge qui était présent. N'oubliez pas que Béa sera là 19 pour les peintures médioniques et ainsi de suite. Et merci à tous les autres personnes, bien sûr. Excusez-moi de les oublier un petit peu. Il y a tellement de personnes qui sont là. Mais un grand merci à tout le monde. Je vais demander à Angel de, bien sûr, de couper le salon. Merci à tous. Voilà. À très, très bientôt à tout le monde. Et rendez-vous vendredi prochain. Si vous le voulez bien, comme diraient les animateurs sur la TV.